Salut à tous et à toutes. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à graille. On est parti pour un bon petit moment là où ça va chiller. Je vous annonce tout de suite. Ça va être un live de folie. Alors j'espère que vous êtes prêts. Parce que même moi je pense que je suis pas prêt. <laughs> à tout de suite. On commence dans trois petites minutes. Allez, encore une petite minute trente et on démarre. Salut à tous, à tous. Je vois beaucoup de salut. Je vois les mecs. Bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il y a aussi des femmes qui sont là. GG à vous les filles. Vous représentez à fond. Allez on va partir le temps de pouvoir changer le petit screen. On va de la musique. Merci, t'as bien rempli ton petit rôle. Et on va décoller direct. On change la scène. Bao, bao, ça part. Yo, l'armée, pita, J'espère que vous allez bien. C'est Tika, Comme d'habitude, on est ready et fidèle au poste. Que ça aille, ou que ça aille un peu moins bien. On est là on RPZ jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien. Punaise, je vois que vous êtes déjà une chier. Merci, merci, merci. Regarde, mais qui sait qu'on a Mais je vois qu'il y a des abonnés. Yamimoto, Ires, Daz, Viens, Mimix, Dagouz, Engineering, Cyril Luzon, Colmia Avengers, Mech64, Brismat Snake, Chorizor, euh, Fredoya, euh, Warrior, Trader, Nino, Ouais les gars, là, on vous forcez trop avec les pseudos. <laughs> Il y a des trucs que je vais pas dire. Tilsi, block for party Azote, euh, Schmikata, Axur, WoolGears, euh, des 83 Geoval. allez, on y va. AlexTV, Trader, Ashes, Le Boy Crypto, Olivier tom 9, on, on fait péter Europrinter à Jaspec des Fleurs, Fallon, <laughs> putain, vous êtes trop, La vote Schmitt, Mystique, QA, et il euh, y en a, du coup, j'ai même pas vu les bonsoirs tellement les messages commencent à popper, les gars. J'espère que vous allez bien, les gars, et les filles aussi, c'est vrai. Attention, j'espère que vous allez bien. Je sais que cette semaine, elle a été comme qui dirait, euh, tu vois, un peu un peu compliqué. Il disait que. Quelques moments, c'est un peu parti en, en cacahuète, hein, disons ça comme ça. Et en, en parlant de cacahuète, si euh, ce soir on s'accompagnait tout ça d'un fameux petit punch cacahuète, je pense que ce sera pas mal ouais, pour aider ce soir parce que je sais très bien pourquoi est-ce que vous attendez là, pourquoi est-ce que vous êtes aussi nombreux sur le live. Merci pour les follow, j'ai même pas le temps de voir les namings les gars, tellement ça y va. Merci Yami Nono pour le prime, c'est une dinguerie. Si vous êtes on fire, c'est une dinguerie. Bon, euh, comment vous dire ça j'avais prévu un truc hyper sexy, genre, on va faire un jeu concours, et je l'avais dit, je tiens parole, moi les gars, quoi qu'il arrive, on va faire un jeu concours, genre, tout mignon, on va atteindre les 2000 abonnés. De sa mère, 2000 abonnés, c'est cool. Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous Je me dis, on atteint les 2000 abonnés, tranquille, alors tu vas leur faire un petit JCC, euh, un petit JCC du coup euh, d'anthologie, hein, un tirage au sort avec un giveaway, un truc pour remercier la communauté. Et mon gars, qu'est-ce qui se passe On arrive à 2000, je mets un tweet, je fais un JCC, euh, tu vois, bien énervé, un bon giveaway, parce que je pense que quand même là, hein, dans l'écosystème, il n'y en a pas autant qui sont aussi énervés. Et là les mecs, qu'est-ce que je vois vous êtes emballés de fous, méga énervés, vous êtes chaud, vous êtes chaud. OK, bon bah, écoute, on se dit pourquoi pas, on y va, soyons fous. Et de 2000 on passe à 2725. Alors vous imaginez bien déjà que j'avais des petites idées pendant le live, alors si je vois qu'en plus on a pété les 2005 et qu'on se rapproche des 3000, euh, tout ce que je peux vous garantir c'est qu'après ce tirage au sort là qui va avoir lieu d'ici quelques minutes, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez sur le profil Ticapo, c'est le tweet épinglé, comme d'hab, un like, un RT avec le hashtag Ticapo, et bien entendu on follow, pour être sélectionné, il me reste plus qu'à récupérer les participations, hein tout est ici, Tika senta, vous voyez. Quand je vais donner le petit top, je récupère les participations. À partir du moment où ce sera fait, ça ne servira plus à rien de participer. C'est comme d'habitude, les gars. Salut à vous. Oh là là, Zlaman, Noam, Nico, euh, Flamme, Julien, Kevin De Bake, euh, Gio Vagrando, <laughs> Muggle <Mugludum>. Ok, <laughs> on gagne une bouteille de rhum. Ah, ça aurait été beau, ça aurait été beau. Peut-être que ce sera un truc qui arrivera prochainement. Ça, Flam, petit ponche trop cool, tu m'étonnes. Oh le rosé, c'est pas un rosé, c'est un petit ponche cacahuète. Tout comme cette semaine qui est partie en cacahuète, c'est un petit ponche cacahuète. On va jusqu'au bout. <laughs> Salut Ghost Crypto, Riding dessous, <laughs> Tika Okage, c'est énorme. Euh, Newman. Salut à toi, salut CLK, Colmy, Avenger, Tika, Santa, et bien sûr, j'ai hésité ce soir les mecs, j'ai cherché un petit bonnet rouge, tu vois, je me suis dit, il faut faire quelque chose et tout, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je n'ai pas trouvé. Merci le mazoleur pour le nouvel abo d'un mois, ça fait plaisir, du fond du bec, je te dis merci. Bon. Les petits potes, on va parler de plein de choses. Je vais être obligé un peu de compartimenter tout ça, histoire d'être sûr de tenir la guideline et que ce soit donc audible pour les gens qui vont nous écouter plus tard en podcast et pour les gens qui taperont ça en replay, histoire qu'ils aient donc tous les éléments de réponse que j'avais promis entre guillemets. Euh, comme vous le savez, j'avais sorti une petite vidéo, hein, entre guillemets, donc réponse à la marmotte. Alors, c'est pas du tout une vidéo de trash talk, hein, mais je pense que euh, cette vidéo, elle a inquiété beaucoup de personnes. Franchement, à un moment donné, les gars, je, vous... je vais être franc avec vous, j'ai arrêté de regarder les DM. Euh, je veux pas les fermer, tu vois. Quand je pourrais, je repasserai, je ferai un petit coup dessus. Mais pour l'instant, je mets un petit break. Parce que j'ai reçu, je crois, euh, allez, euh, 150-200 messages, et c'est juste pas traitable comme ça, la Mano one 1 one D'autant plus que c'est des questions qui reviennent vachement en boucle. Alors, pour éviter que ça boucle le Trop, je fais une réponse générale ici c'est pour ça que je vous dis de revenir dans les lives parce que dans les lives généralement même si je peux malheureusement pas prendre le temps de vous répondre individuellement là dedans on répond bien sûr à travers le Tiabo par en live et ils me font péter le train de live Mais bah c'est parti merci Celta pour les abos oh là 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 c'est magnifique c'est magnifique alors les mecs euh, il s'est passé plusieurs trucs j'ai fait cette vidéo dans lesquelles j'ai abordé quelques points, donc vous pouvez la retrouver je crois que je l'avais mise à un moment donné euh, juste ici, voilà, c'est une petite vidéo tranquillou, j'ai pas voulu faire un, un merci pour les follow les mecs euh, j'ai pas voulu faire euh, directement un, un truc de 30 minutes qui soit totalement euh, indigeste et un but pour Lyon, c'est parti, parce que le mec il est sur tous les écrans, je voulais juste faire un truc qui soit euh, agréable pour tout le monde à regarder facile à comprendre et sans partir trop dans la tech, mais que le le contenu du coup de cette vidéo puisse vous parler. Ça fait un petit moment j'avoue que je suis pas passé sur les commentaires euh, YouTube entre twitch euh, YouTube euh, Twitter plus la vie pour à côté je vous jure c'est compliqué mais 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 euh, j'essaie de faire des raids et quand je décide de m'énerver je vais faire un tour là-bas et je réponds aux commentaires donc n'hésitez pas à laisser un commentaire je répondrai si euh, les généraux et les gens qui sont dans l'armée sur le Discord ou sur Twitter ont la réponse à questions n'hésitez pas à répondre directement aux commentaires ça fait plaisir et puis on est forcément dans le partage d'informations donc c'est cool on a apporté donc certains points qui vont nous rester donc à, à Durant ce live, donc comme mentionné ici, on va parler donc des audits, des audits, pardon, des gros wallets, de la communication et du harvest. Et ils ont éclaté le train de live. Merci Xayan pour la beau prime, ça fait zizir. Donc le Tika. Il avait dit, on va y aller tranquillement, on va explorer et euh, bah, parler des arguments. Oh, mais vous êtes vénère, merci Lola Votz pour le Prime. On va y aller tranquille. Et euh, je voulais, euh, encore une fois, que ce soit digeste pour tout le monde. Donc, elle fait 10 minutes. Ce live va être compartimenté comme ça. Ce qu'on va faire dans un premier temps, pour calmer tout le monde, parce que je vous vois péter, bon, il y a des à boire qui passent. Donc, le premier, le premier, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé va partir dans la soirée. Hein. Mais vu que c'est un punch cacahuète, c'est un plaisir de partager ça. Avec vous et nous allons partir sur déjà le premier giveaway. Je vous laisse encore quatre minutes pour les retardataires qui n'ont pas participé au giveaway. Vous avez quatre minutes pour faire donc ces petites actions like, RT, follow, Ticapo avec le hashtag, donc bien sûr Ticapo. Je récupère les participations. Après ça, on arrête tirage au sort, j'affiche les gagnants, vous me contactez en DM et je m'occupe de vous après le live, ça fait très tête à tête, mon gars, je te récupère, pas du tout, <laughs> je m'occupe de vous, sous-entendu, vous me balancez euh, vos adresses ERD, euh, ouais, ERD ou même, ou même, on peut même faire directement avec le Herotag, ça c'est cool, vous me balancez vos Herotag et euh, je me démerde par la suite, si vous avez bien entendu Maillard, dans... 3 minutes, maintenant. On arrête tout ça et on va commencer à enchaîner sur les réponses donc aux questions qui restaient, donc audit de sécurité, comme je le disais, euh, j'avais tout mis là, les gros wallets, la communication et le harvest. Et après ça, après ça, je sais que forcément, il y aura des gens qui seront déçus de ne pas avoir gagné tout de suite, même si c'est quand même un premier giveaway qui fait gagner 23 personnes, mais ça va pas être le seul de la soirée. Donc, bien évidemment, ceux qui vont être sur ce live et qui mettront un petit... Alors, pas spécialement un abonnement, mais juste qui vont suivre la chaîne, du coup, parce que je demanderai, du coup, votre nom pour vérifier. Et, hey, forcément, euh, vous aurez droit à un autre giveaway. Un autre giveaway du futur. Pas de déçu ce soir. Quasiment 40 personnes vont gagner quelque chose ce soir. Truc de fou. Blow-minded. Il va vous rester deux minutes, les mecs. Deux minutes, je regarde rapidement ce message. Hop, bonsoir à tous, bonsoir à la Ticapo Armi. salut à toi Kaiser, la est dangereuse pour la Santé, à consommer avec modération. Quoique, la liqueur de typeponge ou de, de cacahuète, c'est quand même un truc qui, tu vois, qui t'enivre, c'est sexy, quoi. Alors, Marco, la live n'est pas sur YouTube. Et non, forcément, les lives, maintenant, je les fais sur Twitch parce que... C'est plus simple de tout centraliser et des fois j'ai deux types de messages qui arrivent au même endroit et vu qu'on commence à avoir du monde sur les deux plateformes, c'est très compliqué pour moi après de, de tout lire. Donc du coup on focus uniquement sur euh, Twitch. Avions 2 on veut la recette. T'inquiète. Bon bah ouais, rotag c'est cool. Qui n'a pas Maillard ici C'est une bonne question, mais tout le monde n'a pas Maillard. Champix, salut à toi, Jayloco. Oh my God. Noam quoi Certains n'ont pas encore Maillard. Mais oui, mais oui, c'est une hérésie, c'est une hérésie. Il faut qu'on palie à tout ça, mon ami. Je t'empile trader, pas de souci. Warlog, what énorme. Mais ouais, 40, 40, les mecs, c'est un truc de fou. C'est qu'à le train de va ouais. il régale ce soir. Ah ouais les gars, franchement, je vous mettre bien. Et là, il y a pas Subvention, euh, j'ai des membres de la communauté qui ont participé au prochain giveaway qu'il va y avoir. Alors je sais pas, j'ai pas demandé si du coup je pouvais les citer, mais ils se reconnaîtront et merci à eux de leur participation. C'était pas obligatoire, mais ils sont présentés spontanément et ils ont décidé de participer aussi. Donc ça fait vraiment plaisir. <laughs> j'ai bien galéré pour te retrouver. Il y a les tweets qui partent directement sur Twitter, t'inquiète. Hacheuse, ta voix m'apaise tellement, pas besoin de pétard. <laughs> c'est énorme ça. Mais je crois que c'est au moins la quatrième fois qu'on me sort ça. Franchement, je vais finir par faire du téléphone rose. Je vais me reconvertir, hein, les mecs. Hein. J'ai À un moment donné, euh, terminé. Hein. Malavac 0902, merci pour la beau. Il reste une minute, les mecs, avant que je récupère les participations. Santé, bonheur. Merci, toi aussi. <laughs> Raidin, la tête sur une pique, tout de suite. Euh, trader, j'ai manqué la plupart des précels car mes EGLD étaient sur le Dex en maintenance. Alors mon giveaway de fou arrive pile Paul pour le monter le moral. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Les gars, c'est ce qu'il faut, ça fait zizir. Et il m'éclate les trains de la hype. Mais c'est magnifique. Et merci, nous malos pour la beau. Ça fait plaisir, c'est 21h20. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais aller juste ici et je vais récupérer mes petites participations. Alors, je vous demande deux petites secondes parce que je ne vais plus voir l'écran, bien évidemment. Hop, Allez, on y va, Coco Lapin. Ici, boum, voilà. Alors, ah oui, ici, c'est vrai que si je baisse pas le stream ici, je ne vais forcément rien voir. Voilà, je te mets là, boum, et je vais vous afficher la liste des gagnants d'ici quelques petites secondes. Le temps de faire tout ça. Et ça part. Alors, hop, on récupère les participations. Oui, monsieur. Alors, je vais juste mettre à jour les paramètres. Euh, on va configurer le concours, bien évidemment. Donc, ce soir, nous allons avoir 23 gagnants. Ça, c'est parti. Euh, hop. Parfait. Alors, ouais, c'est obligatoire. Ça marche. Hop. Alors, pourquoi Est-ce que je peux faire plus ou pas. Euh, combien de personnes souhaitez-vous faire gagner Ah ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais faire autrement parce que lui, visiblement, il ne veut pas faire taper plus de 10 personnes. Ok, et ben, ce qu'on va faire, euh, je vais taper ça comment Comment je vais taper ça Ok, je vois, je vois. Alors, ce qu'on va faire, je vais commencer à faire ce JSC là avec euh, les 10 premières personnes. Ensuite, bah, je vais utiliser ce tweet-ci pour faire les... 13 suivantes et ça fera le taf parce qu'il ne veut pas taper les 23 d'affilée. Donc vous avez un peu de bol là les retardataires. Ça se clôture, tout dé, on sauvegarde, boum, ça roule. Hop, le tirage. Oh, il va me faire galérer alors pour le tirage. Mec, si tu fais ça, c'est pas cool. Alors, et forcément, vous allez me dire Oui, mais tu dis prends toujours au dernier moment. Non, j'essaie de préparer le truc un petit peu en avance. Mais tu vois, là, il a décidé de faire des manières. J'arrive, je récupère juste ses participations et je reviens de suite, les mecs. Pas de souci. On récupère ça. On maintient pour récupérer. Ça part. Ok, c'est pas au Tio. Hop, bah je vais devoir vous laisser un petit moment supplémentaire les mecs. Parce que, parce que, parce que ici, j'ai pas pu choper tout le monde en one shot. Oh si, il m'en a tapé 20. Ah bah parfait. Donc il va me rester uniquement 10. Hop, je télécharge. Parfait. Ensuite, je vais choper. Euh, je vais choper le tirage au sort qui est ici. Parfait. Euh, du coup sûr que tu veux pas me mettre 23 directement non il veut pas il veut prendre 10 et bah écoute on va faire avec 10 directos ok ça parle. OK. on modifie ça marche on fait alors j'arrive à les mecs hein, je vois pas je le fais tout de suite je procède au tirage au sort hop hop on maintient pour démarrer bah c'est pas grave hein, écoutez on va y aller jusqu'au bout comme ça hop parfait alors on a déjà nos dix premiers gagnants. Comme ça, on va torcher ça rapidement. Parce que je sens que ça va être la sauce. Alors, je reprends l'écran du scream qui est juste ici. Non, vous ne voyez pas forcément comme d'hab avec ma tête aberrante. Hop, on envoie ça. Ça, il n'y a pas besoin. Voilà, hop, ça part. Ok, est-ce qu'ici on voit tout Oui, on voit tout, c'est parfait. Discord, boum, on enlève. Parfait. Alors, ici, vous avez les gagnants qui sont ici, les dix premiers gagnants qui sont ici. Ce que vous pouvez faire, c'est directement commencer. Ah, ouais, ils, vous, ils ont fait péter le truc de jeu concours. Vous pouvez commencer directement à m'envoyer un DM. Il y a Louise D, Zapic 8, Trunk Crypto, le Bacchanal Nicolas Crypto, uh, il y a Sinémin, Julio Mars 30, Benny Gaïdai Géraldino Elix et euh, boublax qui sont les dix premiers gagnants. Comment est-ce que cela fonctionne Dans un premier temps, euh, je vais prendre tout simplement par ordre. Hein, du coup, donc les deux premiers de la liste, c'est chacun donc 10 cas de tokens. Les 10 suivants, c'est 50 rides par personne. Euh, du coup, le 13e, bah, ce sera un EGLD. Donc, ça, ça va arriver. Euh, là, pour l'instant, les LKMX et la... les 80% des rides sont partis. Il va rester, donc, du coup, le GLD et les NFT à faire partir. Donc, on fait deux autres petits tirages rapidos. Et je veux finir avec ça rapidement. Alors, ce qu'on va faire, les mecs, ce tweet-là, je vais vous le mettre en épinglé cette fois-ci. Ce tweet-là, vous pouvez le RT. Voilà, faites juste un like et un RT, ça suffira directement, pas besoin de refaire tout le truc, juste un like et un RT. Donc là, c'est pour ça que je disais qu'il fallait être dans le live, on sait jamais ce qui se passe. <laughs> mais un like, un RT, et du coup, euh, vous pouvez donc potentiellement sélectionner aussi sur le deuxième tirage au sort que je vais vous faire dans deux petites minutes. Allez, on brasse ça, je veux que le premier tirage au sort, il soit fait. C'est long, je sais, mais il y a beaucoup de gagnants, et je voulais vous faire plaisir, donc on envoie, les mecs, on envoie, on envoie. <laughs> tu nous gâtes, c'est ça qu'on veut, GG. GG à vous, merde, je vais remettre la liste rapido que vous n'avez pas vu Louis 10, Zapic 8, Tron Crypto, le Bacanal Nicolas Crypto, Yacine et Mine, Julio Mars 30, Benny Gaisi 1, Géraldinho et et Bull Blacks. N'hésitez pas à me balancer un DM. Sneak attitude, merci pour la beau, ça fait zizir, ça fait zizir. Ah, mais ce soir, je vous ai dit, ça part total en freestyle. J'avais prévu de faire les 23 en one shot, visiblement. Euh, il m'a dit, attends, attends, frère, t'as trop de participation, je peux pas, je peux pas le faire les 23. Donc, on va triquer, on va faire ça autrement. Mais en tout cas, moi, je veux que ce soir, tout mon giveaway, Vire. <laughs> J'ai prévu que ça virait. Donc ce soir, ça vire. On envoie, on envoie, on fait péter. Alors, euh, je le répète les mecs, ici... Oh putain, ah oh ouais, vous êtes vénères. Ah ouais, vous êtes vénères. Oh, vous êtes à fond sur la participation. Le tweet épinglé, un like, un RT, ça suffit. Vous avez déjà rempli toutes les modalités pour le premier. Ça a dans la colle, donc pas la peine de mettre le hashtag Ticapo, machin. Juste like, RT, et dans deux minutes, on fait le deuxième tirage au sort. Euh, on envoie un message sur Twitter si on a gagné. Ouais, tu vas directement sur moi, tu m'envoies un DM et à la fin du live, je passerai un petit peu sur ça, le crypto. Zian, salut Tika, tu comptes reprendre des rides lors de son listing Si oui, en soi, que j'ai des rides ou tu fermes J'attends de voir la fameuse poule lk, -Mex, LK -Mex quoi, qui va être mise à disposition et qui permettra de farmer du ride, mafia. Euh, ira... C'est qui? C'est Irasdom. Yes, I mafia. Irisdom, giveaway. Moi aussi, je veux gagner. Mais oui, mais t'inquiète, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc, les mecs, vous y allez. Il nous reste encore une petite minute. Je vais faire les 10 prochains donc, sur ce tweet-là. Et on finira avec bah, tout simplement un RT du live ici pour avoir les petits. Euh, tweet restant. Ce soir, je vous gâte. Ce soir, c'est votre soirée. On chill, on est ensemble. On va prendre le temps aussi de parler de GLD après. On va parler du Dex. On va répondre aux questions. Mais chaque chose en son temps. J'avais prémis, on commence le live giveaway. Sachez un peu dans la colle. <laughs> on essaie de patcher comme on peut. Mais ce soir, ça dégage. Je regarde vos questions rapidos. Um, someone, ils vont mettre du Elka Ride. Oh yeah! Tu sais, ça zook ça, Elka Ride. T'as envie de faire des trucs un peu. Ouais. T'as compris quoi? Uh, le Turc, tu penses que le Raid sera à combien juste avant le swap? C'est une très bonne question. Uh, D'autant plus que je ne sais pas. Alors, j'ai pas fini, je crois, de, de poncer le tokenomic. Je ne sais pas quel liquide ils vont apporter sur le, le dex. Uh, et puis, uh, je pense qu'il y a une grosse grosse demande là-dessus. Euh, je pense pas que ce soit listé tout de suite, tu vois, sur des exchanges à la sortie, mais il va y avoir une énorme demande sur le bordel. Donc il euh, y a moyen que ce soit assez indécent. Mais je, franchement, même dans le plan, je me suis mis deux points d'interrogation. J'arrive pas du tout à voir à quel point ça peut être dégueulasse. Mister Lurkit. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas me séparer de 50% de mon bac de GLD pour le mettre en USD. J'ai une target de ouf pas que plus euh, que 500 dollars. Oui, mais bah ça c'est pareil. Moi aussi, je vois largement au-dessus. Et euh, moi, je les ai pas virés. Hein, ils sont toujours dispo. Euh, j'ai pris aussi, comme je vous le disais depuis le départ, j'ai pris du coup mes bénéfices avec du Mex. Maintenant, il y a que la crème qui joue. Et quand j'ai besoin, bah, soit je reprends un peu de GLD, et les EGLD euh, qui, qui peuvent me permettre de rentrer sur des projets. Et comme ça, j'ai même plus à faire de DCA pour rentrer sur des projets. Bon, je vois plus les à boire Moi, je suis désolé, les mecs, j'ai soif. Alors pour le coup, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération bordel. t'es tu laves pas être trop bien dimanche soir avec une quiche, saumon et pimard. Mmh. Ça, c'est <laughs> magique. Alex, est généreux, ça veut dire que tu es trop farmé. Ça veut dire que j'ai fait du FCP, monsieur, comme je vous l'ai dit. Tu es en contact avec la team EGLD, en contact avec euh, des membres... Alors, je suis pas en contact directement avec Benny, Lucien et compagnie, mais je parle beaucoup avec euh, Sever. Euh, tu penses quoi de la maintenance sur Maillard Je vais en parler après, les gars. Les gars, travaillent fort, tout à fait. Euh, et il y a vos petits retards. Il n'y a pas de souci, tu viens tranquille. Ouais, tu vois, je dis à boire. J'en demandais un ou deux, mon gars. Je me suis pris une chier de à boire. Bon, bah voilà, bah, l'abus est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Et d'ici 30 secondes, les gars, j'arrête ce tweet que vous voyez ici devant vos yeux ébahis, les tweets épinglés. Euh, et du coup, euh, on va faire le deuxième tirage au sort pour les 10 prochains gagnants. Donc, pour rappel. Les 24 de Camex, ils sont déjà partis. 80% des raids sont partis. Il va rester EGLD et les NFT. Donc, euh, ça va partir très fort. Euh, il va être saoul. Non, tranquille. On pourra. Eh, hey, mec, attention, j'ai pas grandi au biberon, moi, mon gars. Je suis entier. Hein. <laughs> On pourra revenir sur quelques points qu'on a évoqués, la marmotte, sur Twitter. Tout à fait, c'est prévu. Les gars, travaillent fort, trailer. Tout à fait. De um, Dude Bowski. Un moment pour recharger sur EGLD. Mais de fou. Euh, tu peux finir la bouteille, on va éviter parce qu'il faut quand même se lever demain, il y a des grosses responsabilités, on va pas faire de conneries non plus. Someone, il a l'air super sympa, Sévère, ouais, bonne humeur, surtout dans une situation délicate, carrément. Ah, jean, sur les jeunes, j'étais en PLS avec un affichage de mon compte à 325 milliards, ouais, j'ai vu ça aussi, euh, je te cache pas que j'ai bugué. Quand j'ai vu les chiffres arriver, je me suis dit, ah. Ah, quand même. Erreur de la banque en votre faveur. <laughs> Mais on sait très bien que c'est un bug, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Allez les mecs, hop, je vais torcher ce giveaway. Ici, je récupère le fameux petit tweet des FAFA qui va bien. Ok, boum, on pète, on copie ça. Je fais le deuxième euh, tirage au sort, les mecs. Sapao, Sapao, Sapao. Hop. On y va, on prend ça, on met ça là. Ok, oui, je sais que t'es en ce Coco Lapin. De toute façon, je vous remettrai la liste des gagnants. Je vais faire un tweet avec tous vos noms d'utilisateurs, jeunes gens. Ne vous inquiétez pas. Et je sais que ça fait beaucoup, mais à un moment donné, euh, il faut qu'on se fasse plaisir. Je veux dire, ça a été une semaine un peu éprouvante pour vous, pour moi, pour nous tous. Il faut qu'on chill un peu, tu vois. Alors. On récupère tout simplement euh, l'adresse du tweet qui est ici. Merci beaucoup. Voilà, on fait un petit tirage des Fafas. Les 10 prochains gagnants. Attention, accrochez-vous dans vos slips. Évitez de me faire une trace dans le calbar, s'il vous plaît. Donc, Tika Santa Bao, ça part là aussi. Mon gars, je vais avoir je ne sais combien de concours Tika Santa. Ça va être n'importe quoi. C'est aberrant. Euh, donc, je récupère les participations. Hop, on maintient. On en récupère. On récupère. Ok, parce que j'ai besoin d'avancer, les mecs. Attendez, vous vous rendez compte Je pensais que ça allait déjà tout faire, mais non, pas du tout. Alors, j'ai les récupérations, boum. Je mets, hop, la configuration, pareil. Coco Lapin, tu ne veux toujours pas plus de 10 non, frère, tu veux pas. Ok, ok, j'ai compris, pas la peine de me trash j'ai compris, j'ai compris. Ok, ça part, et là, on va faire, on va faire, on va faire le tirage au sort directement. Procéder au tirage au sort, au tirage définitif. Putain, les mecs, vous êtes chauds hein. je vous jure, vous êtes chauds. Je mets un truc, je vous dis, c'est parti, ça part. Vous le voulez, ce putain de giveaway Nous avons nos 10 autres gagnants. Alors, j'affiche la liste ici. Nous avons, alors je reprends la liste ici pour que je vois si ma tête aberrante ne vienne pas tout gâcher, non, Sopal, Ulrich, Benjamin, Michael Goya, withall Inès Duval, Elrond Army NFT, John, uh, Sedokiku79, Art Bonis, pardon, Art donc, je répète, Sopal, Ulrich, Benjamin, euh, Michael Goyat, Witt Inès Duval, Elrond Army NFT, John, Sedoriku79, euh, Artiboni, vous êtes les gagnants de la deuxième vague. Nous avons donc 20 gagnants, il nous en reste 3. Euh, ces 3 gagnants restants seront pour les derniers NFT, du coup, qui restera. Donc, je vais vous mettre hein, à la fin du live, vous inquiétez pas, je reprends toutes les listes. Je vais vous identifier avec les lots directement. Et, euh, hésitez pas à me DM directement dans la foulée. Donc GG à vous les mecs mais on arrive, on arrive <laughs> sur une soirée de fou. Déjà 20 gagnants les gars. Bon, je laisse ça deux petites secondes, je lis vos commentaires. Si votre nom est là-dessus, vous commencez à me balancer un DM et de toute façon, je ferai un récap après. Euh, Qu'est-ce qu'on a On boit. Non, je bois pas la bouteille. On va pas la bouteille ce soir, les gars. On y va tranquille. J'ai développé une petite web app qui permet de calculer l'IBL sur les poules de Maillard en Toriel à l'aide de données du grave. Je peux poster le lien. Euh, oui, à partir du moment où il n'y a pas de login Maillard, des trucs qui sont pas audités, mais euh, juste pour enseigner les valeurs à travers un input, j'y vois pas de problème. Vive les tons. Riding le Monopoly. Mais oui, tellement, tellement, tellement. Pois, Ouais, GG les gars, c'est cool. <laughs> Putain. Mais les autres, on gagne quand <laughs> Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Il Reste encore un tirage au sort avec trois gagnants. Donc là, on est sur la partie NFT. Hein, c'est la fin. Et après, on va partir donc sur euh, ce que j'avais dit. Donc les réponses apportées à tous les points qui ont été euh, euh, évoqués. Cependant, j'ai un tweet qui est prêt à partir avec le deuxième giveaway. Donc je vous ai dit ce soir, les mecs, vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, parce que là, c'est le travail qu'il y a à faire derrière, mon pote. Il, il fait pas marrer, Bon. Alors, rien encore, je ferme mon Abeload. <laughs> Abeload, il est pas là, je l'ai pas vu. Bah il aurait pu, hein, il aurait pu, hein. Vient de se voir le feu, yes, si tu cherches à poisseux, je suis là. <laughs> mais non, t'inquiète, ça va arriver, ça va arriver. Euh, ce n'est 'titude la team réagit au quart de tour en sécurité pendant que ce sont là. On FCP. Mais bien sûr les gars, mais pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête Pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête Ouh là, là, les à boire. La d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bah Ok les gars, donc là j'espère que vous avez vu, sinon je vous identifierai. Pas de soucis. Et on va faire un truc tout simple pour terminer. Hop, nickel, je vois qu'il y a des messages qui commencent déjà à arriver. Il y en a d'autres certainement qui sont en spam. J'irai voir après, vous inquiétez pas. Alors... On va utiliser celui-ci pour les trois derniers. Donc les trois derniers, je le rappelle, là on est uniquement sur les NFT. Donc euh, trois gagnants. Hop, parce qu'il faut que je mette des tweets en particulier, sinon il est pas content. Donc vous allez liker et RT, pas besoin de hashtag. Un like, un RT, et du coup euh, d'ici deux minutes, on fait le tirage au sort sur ça aussi. Et bao, oh, ça part directement. Euh... Najimao, tu confirmes que Delegate va être arrêté d'ici quelques semaines sur le Web Wallet. Ce sera arrêté à partir du moment où la phase 4 du stacking sera mise en place. Donc du coup, les APR vont tomber à zéro pour vous forcer un petit peu à aller chez les SPI forcés. Pourquoi bah, Ce sera la mise en place de la décentralisation. Le fait que la fondation retire ses nœuds au profit des validateurs indépendants. Euh, Moumout, <laughs> un ride ça vaut combien à peu près Là sur le launchpad, ça valait à peu près 4 centimes. Là, c'est ça, bah ben, nickel, Binks, exactement 4 centimes. Donc, likez et RT ça, et du coup, vous participerez au tirage au sort pour obtenir un NFT, euh, NFT unique que vous pourrez détenir, revendre, faire ce que vous voulez. C'est des NFT qui sont faits que pour la Tikapo Army. Après, je reparle de la timeline, mais c'est important pour ceux qui nous rejoignent parce que je vois le compteur qui fait Ouh donc euh, voilà, euh, on finit ce giveaway qui était le premier. Euh, donc là, quasiment tous les lots sont distribués. Il nous reste 3 NFT. On parle du coup des éléments de réponse au euh, petit dog de la marmotte. Et pendant ce temps-là, euh, je vous filerai, je vais poster un autre giveaway du turfu là aussi. Et euh, on fera le tirage au sort en fin de live tout simplement. Et je pense qu'il va vous faire euh, vraiment péter des câbles, mais vraiment. Merci pour le follow d'Emspeuillet. Euh, première fois. Tata, euh, ta, ta, ouais, 0.45, nickel. dj Perutti, salut à toi. Euh, quand j'ai les photos de la carte Ivnera en train de travailler dans toute la mépia, je me suis dit, c'est dangereux de réunir toute une équipe à un seul endroit, une catastrophe naturelle. Il y a plus Euron Network, c'est une blockchain, elle est décentralisée, son équipe est centralisée. Ouais, mais là, c'était un peu, tu vois, comment on appelle ça déjà un, un peu comme un team meeting, tu vois, où il fallait aller dans un hôtel, les cellules de crise, les mecs, on y va, on ponce tout, quoi. Il <laughs> y a des infos sur le Maillard Exchange 719, pas plus que ce qui a épinglé dans les messages du Telegram français que euh, je t'invite à aller voir mais de toute façon on en parlera un petit peu plus tard aussi salut homme zombie euh, belle biatika. je crois que j'ai participé trop tard au concours j'ai une chance ah alors il te reste deux petites minutes, tu vois là, j'ai épinglé donc le tweet tout simplement du débarrage du live. Il suffit de le liker et de le RT pour tenter d'obtenir un DNFT. Mais il va y avoir un deuxième giveaway qui va arriver euh, incessamment sous peu. Mais pour terminer le premier, je suis obligé d'en faire trois. C'est énorme, mais il y avait trop de gens à gagner. D'habitude, tu fais gagner 5, 10 personnes. Mais là, il m'a dit, ah, calme-toi frère, tu fais n'importe quoi. T'es sûr que tu veux faire ça Est-ce qu'il mérite ça Mais bien sûr qu'il mérite. C'est la tique quoi. Tu me parles. Bien sûr qu'il mérite. Alors, c'est mon petit capot. Tu te fais assécher ce soir. <laughs> Hydrate-toi un peu. Mais c'est vrai, mais voilà, il y a trop Monsieur D, tu vois, qui réagit. Il faut envoyer les à boire. Vous envoyez les à boire il y a un petit coup. On partage. C'est au moment où vous prenez une petite gorgée, on partage le à boire et voilà, petit verre virtuel. Et un de ces quatre, on fera ça en vrai. Euh, voilà, il faut faire une rencontre IRL, Mais j'avoue que c'est un peu compliqué en ce moment avec toutes ces conneries qui repartent. Mais on est en train d'essayer de, de mettre ça en place. Mmh. Santé, la l'alcool est joue pour la santé. À consommer avec modération. Un, un. Alors, bam bam bam, on regarde ça. que euh... okay, je ne vois pas l'onglet ride sur mon maillard. Est-ce que euh, c'est parce que je n'ai pas reçu de ride ou il faut faire quelque chose en particulier euh, Tu mets à jour ton application, euh, tu vas dans tes actifs, tu actives du coup euh, ride avec euh, le petit, euh, euh, merde, comment je vais dire ça, Un petit, une petite tick box quoi, du coup, et tu le verras trade Her, ça sort le 7, je crois, sur Maillard, non Sur Maillard Exchange, mais tu peux déjà les voir si tu en as reçu sur ton application Maillard, la War Room, exactement. Les gars, il reste Quelques 30 secondes et après je récupère les participations. J'ai déjà récupéré hop, le link du tweet. Comme ça, pas le temps de Niazaï. Voilà, parfait. C'est cool. Donc, tirage au sort, Picard, Les autres, je vous identifierai après. Si vous n'avez pas eu le temps de voir vos petits noms, pas de soucis. Vous inquiétez pas. Euh, le général de Divi vous rebalancera ça. Je crois que Pico, ils vont me dire Non, mes frère, arrête, tu, tu nous utilises trop, là. Il serait temps de prendre une licence, non Parce qu'on euh, n'a pas prévu que les gens puissent profiter de moi comme ça, tu vois. Dire à un moment donné, les gens, ils font des petits giveaways. Là, tu, tu pars en couille, mon gars. <laughs> Allez, Tika Santa 3, on est comme ça. Mon gars, on va finir à 6 tirages ce soir. N'importe quoi. Alors, Tika Santa, hop, c'est parti. 3, parce qu'il faut que je sache ce que j'ai fait aussi, parce que là, je ne sais plus quoi faire. Alors je vois pas les commentaires tout de suite les gars, je suis en train de faire ça. Donc 3, 2, 1, je récupère les participations, ça sert plus à rien de RT, et de liker. C'est pas outil. Hop, on récupère ça. Voilà, nickel, on maintient, on récupère. Bao Bao, comme dirait l'autre. Ok. On a les données, on met les paramètres. Donc ce soir, là, sur le troisième, ce n'est pas 10 personnes, mais 3. N'empêche, si je fais une erreur, je me mets dans la sauce tout seul parce qu'il y en a 10 de plus qui vont gagner. <laughs> Hop, on configure. Hop, on met bien 3. Ici, ça marche. On sauvegarde. C'est cool. Parfait. Tirage. Sur la qui se disent, putain, faites le vider la bouteille, tu vas voir, il va faire une connerie. Et puis du coup, il va en, en mettre beaucoup plus que ce qui était prévu. Eh ben non, les mecs. L'esprit est vif. <laughs> L'esprit est vif. On maintient pour démarrer. Et il y a trois personnes qui ont gagné. Bao, bao. Euh, je vais juste vous afficher ça. On est bien sur le bon résultat. Oui, parfait. Donc, GGA. Euh, C'est doriku 79, Antonin CM et Brio qui gagnent du coup 3 NFT de la Tic Army, ce qui clôture avec Brio, si je puis dire, <laughs> ce euh, giveaway. Donc le premier giveaway où les mecs, on a fait... Euh, plus, de, euh, euh, plus de, je crois, 1000 RT, 1000 likes. Enfin, ça a été incroyable le nombre de personnes et la proportion que ça a pris. Merci pour le follow, merci pour la force. Euh, on a terminé le premier. C'est pas grave. Ne chialez pas, ne chialez pas, ne chialez pas. Ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va faire un truc intéressant. C'est que je vais donc commencer à répondre aux questions de la marmotte. Je vais envoyer sur Twitter le deuxième giveaway et je vais épingler le tweet. Et vous allez avoir jusqu'à. La fin du live pour liker RT avec le hashtag Tikapo. Et la petite condition en plus, c'est le follow sur Twitch. Parce que quand vous allez me DM, je vais aller checker euh, quel est votre pseudo Twitch pour voir si vous êtes bien un follower. Parce que sinon, si vous ne respectez pas ces conditions, là pour le coup, vu que c'est réservé aux viewers de Twitch, je désignerai quelqu'un au hasard dans la liste des followers qui récupérera le lot. Donc faites gaffe à ça, les mecs. Bon, euh, du coup, <laughs> félicitations à vous, faut vraiment pas, pas avoir de chance. C'est pas fini, attends, 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 attends. Le deuxième giveaway, après j'enchaîne sur Elrond. Les gars, ça va faire 41 minutes déjà. En décompte, d'une temps qu'on a perdu, ça va faire 40 minutes. Je t'en prie Antonin, pas de souci, ça fait plaisir. Le deuxième giveaway. Je vais vous en parler. Euh, je vais vous en parler et c'est assez fou parce que je m'étais dit, on, on va rester à un giveaway. Tika, attends, c'est bon, euh, les gars, tu as atteint 2 cas d'abonnés, c'est cool. Et puis on verra si ça augmente. Et puis ça arrive à 2500. Et puis on est à 2743. C'est n'importe quoi, mais c'est magnifique. Bon. En quoi va consister ce deuxième giveaway J'espère que vous êtes assis. Hein en attendant, je me déshydrate la bulle d'alcool et dangereux pour la santé à consommer avec modération. Je voulais que ce soit un giveaway euh, un peu spécial. Ah, euh... <laughs> oh là, 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 là. C'est Doricou, il a gagné deux fois, faut qu'il surveille sa femme. Ah, <laughs> oh là, là. Mais ça envoie, ça envoie. 40 minutes à donner. Mais oui, noël ça ne sert à rien de jouer pour le prochain tirage. Je vais gagner, permettez pas votre temps. Vous êtes chaud, Vous êtes chaud de fou. Euh, je voulais que ce soit un giveaway, mais un peu éducatif. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est voilà, c'est euh, faire découvrir des projets, faire en sorte que vous intéressiez, pardon, et que vous compreniez, du coup, le fonctionnement de ces projets. Alors là, vous vous doutez bien que ça va être un giveaway qui va être plus drivé, Renseignez-vous sur ces projets. Mais c'est un giveaway quand même, ok En toute transparence. Ça va être un truc de fou sur ce que vous allez voir, mais ce soir, il va y avoir plusieurs choses qui vont tomber potentiellement dans vos wallets ou chez vous. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là Qu'est-ce qu'on va se taper Attends, Padawan, je n'ai pas d'AWAN. Je t'explique. Première chose. Je sais un truc, c'est que vous avez été nombreux à voir sur les réseaux un truc intéressant de notre cher ami Kulok, que vous connaissez forcément, avec le Whale Golden Coin. Et plusieurs personnes, du coup, ont reçu donc, leur première précommande du Whale Golden, que vous pouvez voir ici, donc, euh, qui ont reçu soit dans une boîte en velours, avec du coup la pièce gravée, numérotée, hyper sexy. Merci pour le follow, les gars. Là... Je vais vous proposer ce soir de recevoir une Well Golden, du coup, donc, ceci, S, pourquoi Parce que S, parce que c'est une version spécifique limitée, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace entre le Golden et Well et Golden, en fait. Le S de Golden et, et Well, enfin bref, vous m'avez compris, ça et le punch. commence à taper. Mais tranquille, on gère. <laughs> du coup, ça en fait des séries encore plus limitées, elles sont différentes de celles qui ont été reçues par les gens qui ont précommandé ça. Et en plus de ça... Vous allez continuer, enfin, vous allez continuer, vous allez pouvoir accéder au groupe VIP de Kulok, cool parce qu'il y a un groupe VIP pour les gens qui ont précommandé la pièce. Vous allez pouvoir accéder au groupe VIP et profiter de réductions et d'avantages pour tous ces autres projets. Alors, si là, on me on dit que Papa Noël, il est pas black, les mecs, j'ai pas compris. Je pas compris. <laughs> Donc, ça, c'est la première chose qu'il va y avoir. Well Gold Date Coin by Kulok, un coin S, édition ultra limitée. Je vous mets bien, pas je n'ai pas fini. Donc, allez lui donner de la force, allez le follow directement sur Twitter. C'est Kulok. De toute façon, je mettrai son, son pseudonyme dans le giveaway. Attention, attention. Quand s'arrêtera-t-il Je vois ça, mais je vous ai dit que vous allez être fou, Je vous ai dit que vous allez être fou. C'est pas tout. Première chose donc Golden Wayne série S ultra limitée plus adhésion free au groupe VIP pour les prochaines œuvres de Kulok Orion. GG Poto si tu passes par là. Deuxième chose. J'adore le Mayer Exchange, j'adore l'écosystème Elrond, et, et j'ai vraiment envie que vous puissiez kiffer. On sait qu'il y a les une farm spéciale qui va arriver, Elkamex Ride. Je vous ai un petit peu choyé avec du ride. J'ai été un peu moins généreux que Kev sur le ride, j'avoue. Mais parce que j'ai plus chargé ailleurs aussi. Mais, en revanche, vous savez très bien qu'il va y avoir une poule Elkamex Ride. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, je rajoute pour 10 personnes... Enfin, ouais, c'est ça euh, Non, attends. 8 personnes, attention. <laughs> Pour 8 personnes, 80K de LKMX. Donc du coup, 8 personnes vont se partager 10K de LKMX supplémentaire. On en voit, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est free, c'est flex, 10K de LKMX. C'est un truc de fou. Autre chose intéressante. Enfin, intéressante, non, mais autre chose intéressante. Vous le savez, je vous ai dit, voilà, vous l'aviez déjà deviné, Sensei Protocol. Je vous en ai pas parlé depuis un petit moment parce que ça bosse dur de fou. Le Sensei Temple arrive. Il y a un taf de malade mental qui arrive derrière et il y a la bêta du Sensei Temple qui va arriver là. Les gars, je veux que vous leur donniez un maximum de force et que vous leur fassiez un follow de fou parce que ce soir, je vous fais un giveaway pour devenir holder de Sensei. Oui, les gars, Sensei. Donc là, on est déjà sur une Golden Wayne. On est sur 80K de LKMX et on va partir. Putain, j'espère que vous êtes assis ou que vous êtes dans un canapé parce que je, je, vais, faire, je, vais, je vais avoir la, des morts sur la conscience. Il va y avoir des infractus ce soir. <laughs> Attendez, on part sur 12 millions de sensei qui seront à partager entre 12 personnes. Soit 1 million de sensei par personne. Donc, vous allez devenir holder de Sensei avec 1 million qui vont partir directement dans un wallet, donc sur la Binance Smart Chain. Hein, donc, il me faudra là des adresses euh, au format BEP20. Mais 1 million de Sensei. D'accord Pour 12 personnes. Je veux que vous leur donniez de la force, par contre, et que vous allez folier ce compte, mais vous aurez de toute façon euh, l'arrobase le, 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 pour pouvoir directement tomber sur la page de Sensei Protocol. Allez voir sur les groupes Telegram. Ils ont les guilds, ils ont un système de classement qui est hyper sexy. Le projet est un fondamental de Fou Furieux. Vous allez voir le Sensei Temple qui va vraiment, mais... Je pense péter l'économie de la connaissance. Je suis ravi de vous avoir présenté ça à la sale. Ceux qui sont rentrés depuis le début savent que ça va être du lourd. Ceux qui sont rentrés depuis le début ont déjà fait des bénéfices, Mais le but, c'est pas du tout de revendre. C'est de holder long terme. Intéressez-vous au projet. Mais franchement, les mecs, donnez-leur de la se force de fou. Alors attendez, parce que c'est pas tout. J'aurais pu m'arrêter là, mais non. Alors, ce que je vais faire avant de balancer le reste une petite, une toute petite gorgée, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mais tu vois le petit c'est c'est pas de l'alcool, c'est du nectar, tu vois. Donc il faut y aller euh, mais tranquillement quand même. Mmh. <laughs> Attends, les gars, je vois vos commentaires, ça fait plaisir. Mais je vous ai dit, ce soir, je vous régale. C'est un des derniers lives de euh, décembre, parce qu'après, ça va être un petit peu compliqué, machin, tout ça. Mais voilà, là, je voulais que ce soir, vous soyez mais au top. <laughs> à boire, mon ami. Yes, merci, Poussette. Bon, bah, du coup, on en fait un deuxième d'affilée, parce qu'on a Poussette qui est dans le live. Je suis obligé, je suis obligé. À d'accord, je ne pas s'en à consommer avec modération. Non, je ne stoppe pas. Il reste des choses dans ce giveaway. Attendez. Mmh. Donc, vous avez compris, 12 millions de sensei. 1 million de sensei à se partager entre <laughs> 12 personnes. C'est Black Noël. <laughs> Attention. J'avais dit que ça aurait pu terminer là. Dans l'idée, je vous ai déjà méchamment rincé là. Mais non, je n'ai ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mais j'ai bientôt fini. Par contre, j'ai bientôt fini. Il euh, y a une autre chose qui va arriver. Ça va être un autre don en Neugeld. Merci les gars pour le follow, ça fait plaisir. Ça va être un autre don en EGLD. On va partir sur 0,5 EGLD qui vont tomber euh, dans la poche de quelqu'un, Maillard ou euh, WebWallet, on s'en fout. 0,5 EGLD pour une personne. One shot, ça part, on est comme ça. Donc je récapitule, pour l'instant, on a un well Goldalic Coin Série S par notre poteau Kulok, cool plus du coup un accès à son groupe VIP. 80 000 LKMX, donc 10 cas de LKMX à se partager entre 8 personnes. 12 millions de Sensei, <laughs> soit 1 million à se partager sur 12 personnes. 0,5 EGLD pour une personne. Et, bien évidemment, pour ceux qui suivent l'actu de Tika et bah, la base d'étude, vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Bien évidemment, il s'agit de Coats. On est en train d'avancer fort sur le white paper, sur la roadmap. Euh, sur le tokenomic euh, c'est assez fou, là, je, je vous jure, j'ai des balises sous les yeux, mais tellement, c'est incroyable, je, je sais même pas comment je tiens debout, mais on bosse de fou, euh, franchement, la team, elle est folle, Patoche, Soso, Hugo, et nos partenaires, Moonlorian, c'est un travail de fou furieux, enfin, c'est une expérience assez incroyable, et, euh, et, et franchement, je trépigne d'impatience de vous lâcher ce qui arrive derrière, mais quand on va lâcher les chevaux, ça va être, ça va être fou furieux, et eh ben oui, je vais vous faire un giveaway sur... Non, je ne suis pas bourré, les gars. <laughs> je ne suis, suis pas du tout bourré. Je suis juste généreux, c'est pas pareil. On vous balance 4000 tokens coats. Donc, 4 fois 1000, donc 4 gagnants qui vont se partager 1000 coats. Donc, du coup, les mecs, je reprends tout. <laughs> là, on a fini. Hein. Là, on a vraiment fini. Je suis arrivé au bout du bout. Là, je me suis dit, arrête parce que tu vas avoir des morts sur la conscience, Tika. Arrête, arrête. Je reprends. Donc, c'est pour ça que je vous disais, assistez aux lives parce que les gars, les lives, c'est vivant. Et il faut être là parce qu'après, les gens qui regardent les replays, malheureusement, ils ont des regrets. Faut, il faut follow, Tika, sur Discord. Et, euh, sur Discord oui, et sur Twitch, Et il faut assister aux lives parce que c'est incroyable. Je reprends un well golden coin par notre très cher ami, Kulok, plus un accès à son groupe VIP. 80K de LKMX à se partager entre 8 personnes. 12 millions de sensei, soit 12 gagnants avec 1 million de sensei chacun, 0,5 GLD pour une personne et 4000 tokens coat à se partager entre 4 personnes, soit 4 fois 1000 tokens. Voilà. Je pense que là, les gars, je je, je, pouvais, pas faire, je pouvais pas faire mieux, tu vois. Mais je me suis dit, il faut qu'on termine l'année en beauté. On est dans un écosystème de fou. On a une communauté qui est tellement good mode, qui donne beaucoup, et je vois que vous êtes de plus en plus à être assez instruit sur le sujet et même à, à, à donner de la connaissance aux nouveaux arrivants que je trouve ça incroyable. Donc du coup, voilà. Et puis vous donnez énormément de force. Regardez, comme je vous disais, je sais plus quand, il y a pas si longtemps que ça. On a démarré l'année, on était à peine 100, on était 4 sur les lives sur YouTube et on est à plus de 2400 sur YouTube. YouTube, sur Twitch, voilà, on est à peu près 200 actuellement en live à, T à Chile. C'est incroyable. Donc, vous donnez de la force et moi, je vous renvoie de la force. Tout simplement. Les gars, ça part ça part. Le tweet, je l'envoie tout de suite. Donc là, il part depuis l'iPad. On vérifie, Well Golden, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'après vous me dites ah, "Non mais Tika t'es parti en couille, pas du tout." Par contre, les conditions, il faudra vraiment qu'elles soient respectées, c'est-à-dire le like, le RT hashtag Tikapo et le follow sur Twitch, parce que j'irai regarder si votre compte, bien évidemment, euh, suit. Euh, bah du coup, euh, euh, merde, je vais y arriver. Euh, tikapo sur euh, Twitch. Hein. Je parle pas d'abonnement, je parle juste de follow. Hein. Ok. Allez, ça part. Boom. C'est parti, et on va mettre ça en tweet épinglé. Ça part. Donc les mecs, normalement, je vais actualiser ici. Hop. Et vous devez avoir ce fameux petit tweet épinglé des familles. Donc merci à celles et ceux qui ont décidé de participer aussi parce que j'ai apporté. Mais du coup, oh là là, les gars, j'ai encore beaucoup de, de messages qui arrivent. Euh, j'ai décidé donc du coup de faire ce giveaway. Euh, des gens m'ont contacté du coup pour pouvoir participer aussi. Donc merci à ceux qui ont participé. Aucun problème pour ça. C'est assez fou. Donc je vois que vous êtes assez chaud <laughs> directement dans le live. Bah tout ce que vous avez à faire, c'est Regardez ce qu'il y a comme euh, tweet épinglé sur mon profil. Vous suivez les conditions, un like, un RT, plus tiktok On follow sur Twitch, très important, parce que ça j'irai vérifier. Et bien évidemment, vous serez euh, sélectionné donc sur la base du tirage auteur. Et comme on a vu que euh, ce fameux soft de fou <laughs> me limite à 10 tirages, eh ben, je referai uniquement des retweets de ça. Donc on va voir quoi ça me fait un, hein, ça fait quoi là? Euh, 11. Ouais, bon, on va faire trois. Trois petits tirages tranquillons, non, trois tirages au sort comme tout à l'heure, ce sera des retweets de ça. Et puis, bah vous aurez la chance potentiellement de repartir avec un bon petit giveaway. ouais. Voilà les gars. Ah, euh, je rajoute 0.5 EGLD au 0,5 EGLD. Ouh là, là d'accord. Alors non. <laughs> bon, si Poussette il me rajoute encore 0.5 EGLD, et eh bah ben, je rajoute encore 0.5 EGLD, c'est parti. Alors c'est pas 0.5 EGLD, mais c'est encore un EGLD. Voilà, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. C'est un EGLD de plus. <laughs> Merci Poussette pour la générosité, c'est cool. Donc on n'est pas sur 0,5 mais un EGLD en plus. Donc les gars, ce soir il y a deux EGLD qui sont partis euh, au calme. Voilà, free euh, tout simplement pour la commu <laughs> Alors là, je pense que ce giveaway, mon gars, on va en parler, mais on va en parler fort, fort, fort. Bon, ça c'est cool. Je vous laisse ce tweet épinglé et maintenant on va passer aux choses sérieuses et on va répondre un petit peu à vos questions. <laughs> vous êtes des oufs. Bah ouais, les gars, je vous ai dit on allait vous rincer. Je vous ai dit que ça allait être Incroyable pour les 2000 abonnés. Pour certains, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est énorme. Donc on verra, et il y aura un prochain palier qui sera les 10 000. Ou là, imaginez à 2000 on est là. Alors imaginez à 10 000, vous êtes juste pas prêt. Bon, <laughs> on va y aller. Euh, je voulais apporter euh, quelques points, du coup, euh, qui avaient été soulevés. Donc, comme vous le savez tous et toutes par la marmotte. Donc, là, j'avais fait cette vidéo-là qui est dispo donc, sur euh, YouTube. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, elle apporte déjà des éléments de réponse. Je vous inviterai à aller les voir. Ça va être chiant de repasser dessus pour ceux qui l'ont déjà regardé. Mais euh, on va passer sur le reste. Donc c'est-à-dire qu'il restait des parties à, euh, à discuter, hein, voilà, à mettre au point avec vous, euh, qui parlaient donc des audits, des gros wallets, de la communication et du harvest. Ok euh, On va peut-être commencer directement euh, avec euh, les audits, euh, qui fait que je regarde vos commentaires, ça fait fou. Alors attendez, je regarde soit ma mia. voilà, vous êtes en feu, ok, c'est cool, pas de souci. Vous kiffez J'ai dû faire deux trois arrêts cardiaques dans le coin, c'est parfait. <laughs> Abeload, tu participes. 100% des vainqueurs ont tenté au moins une fois leur chance. Participe. à boire, j'ai compris. Abus danger dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors, on. Une petite chose à savoir, euh, concernant les audits, il faut savoir que euh, Elrond n'est pas que user-centrique, mais ils sont aussi très centriques au niveau de la sécurité, d'accord et en fait, il y a plusieurs. C'est un processus à l'intérieur duquel on va mettre pas mal de choses. Euh, il va y avoir en fait des règles de, de code, donc de développement, en fait, sur un modèle donc récurrent. Ça veut dire de formater le code d'une certaine façon afin qu'il puisse passer du coup une série de tests et être validé pour pouvoir partir en production. Il y a la revue de code. Donc un développeur va pouvoir écrire un, un morceau de code qui sera donc, euh, euh, ouais, bah, revue, entre guillemets, il va y avoir une revue de cuette par un, un de ses partenaires, donc un autre de ses collègues, qui va pouvoir peut-être voir avec une logique différente s'il a fait quelque chose de, de pas ouf ou quelque chose de correct qui mérite d'aller en production il va y avoir aussi Runtime Verification donc Runtime Verification merci pour le follow les gars euh, Runtime Verification c'est une boîte qui euh, accompagne Elrond depuis euh, le day 0 donc c'est-à-dire que c'est des spécialistes en fait dans j'aime pas envie de dire dans, dans le fait de développer de coder mais même dans l'instruction système ils sont même au-delà tu vois de juste pouvoir bien coder une solution mais ils sont dans même l'optimisation de l'exécution du code tu vois et euh, potentiellement donc de, de, des failles via des systèmes d'injection alors que ce soit du SQL ou que ce soit de l'injection au niveau du front ou peu importe la technologie utilisée. Et ça tourne, euh, Runtime Verification, vous avez ça dans la quasi-totalité du matos que vous utilisez actuellement aujourd'hui. D'accord Et vous avez le même framework qui est utilisé, bah, comme, exactement comme le dit Poussette, tu vois, j'allais arriver dessus, le framework K, <laughs> du coup, qui est le même framework utilisé que euh, bah, actuellement à la NASA. Voilà, vous savez, pour, pour avoir quelque chose de hyper sécur, eh ben vous avez ce framework-là qui permet de partir avec des fusées et faire des trucs de fou. Euh, vous avez aussi les tests de régression. C'est-à-dire, le but, c'est ne pas déployer du code. Comme par exemple, là, avec le MyRexchange, euh, si on décide de faire une pause tout simplement dessus, c'est ne pas déployer du code qui pourrait, du coup, bah, faire euh, potentiellement péter une autre partie et qui ferait qu'on serait obligé de revenir en, en arrière, faire un rétro-pédalage, ré euh, donc un reverse, quoi, du coup, pour euh, garder une base fonctionnelle. Il faut que, même si toutes les implémentations, qu'elles soient nouvellement écrites ou en simple ajout de module, soient implantées en production, qui ne foutent pas le bordel directement sur, euh, sur la production. Et on a des audits tiers. Donc, comme vous devez le savoir, on en a beaucoup parlé pendant euh, les campagnes, du coup, avant le lancement du Maya Exchange. L'audit, c'est je fournis mon smart contract, je fournis le code de ma dApp à un organisme indépendant qui va analyser mon code et les failles potentielles. Et si ce n'est pas des failles, les optimisations de code que je pourrais apporter pour être plus, euh, je dirais, c'est comme une norme, d'accord Un peu comme, euh, euh, pas le Web3, mais euh, merde. Euh, ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. W3P, enfin bref, j'ai oublié. En gros, tu as une norme pour dire, ben bah, voilà, tel type de code doit être écrit de telle façon, telle variable doit être déclarée comme ça, et compagnie, compagnie. D'accord Et eux, ils vont soit apporter des conseils d'optimisation, ou soit vous dire, attention, là, potentiellement, il y a une faille de sécurité. Donc, tout ça, c'est soumis. sur toutes les diables qui sont bulles actuellement par Elrond. Euh... Alors, après, il faut se dire aussi un truc, c'est que. Euh... Quand on fait du coup des releases et c'est le cas des rondes, euh, je vais juste prendre un truc très simple avec vous ici. Je vous l'ai déjà montré. Vous avez tout en bas des numéros de build, d'accord, qui apparaissent ici. Euh, ces numéros de build, en fait, ça veut dire que ce sont des nouvelles releases, ce sont des nouvelles versions du dex qui, pour vous, sont peut-être totalement transparentes, sauf si vous arrivez au moment du déploiement et là vous avez, oh, une page blanche, du coup. Mais après, donc ça se build et du coup c'est passé en production. Le fait d'avoir à générer plusieurs builds comme ça. Ça fait que tu es obligé de faire des audits un peu plus fréquents. Parce que plus tu augmentes ton nombre de builds, plus évidemment tu vas aussi augmenter ton nombre ton, ton, ton nombre d'erreurs potentielles. D'accord Donc ça, c'est des choses qui sont faites très fréquemment. Et euh, du coup, bah, c'est des choses du côté des rondes qui sont faites bah, ultra fréquemment pour éviter donc le type de souci rétro-pédalage où on est obligé de revenir sur une version ultérieure parce que ce qu'on a implémenté a fait péter le code ou on a potentiellement injecté une faille de sécurité. Voilà. Donc ça c'était la partie audit que je tenais à voir avec vous et à euh, vous parler. Donc la norma, tout à fait, norma de code, et après W3C, oui, Mugloum, exactement. Putain, parfait, les mecs, vous suivez, ça fait plaisir. W3C qui était nickel. Euh, du coup, je voulais aussi passer sur d'autres points. Euh, on parle beaucoup de gros, gros, gros wallets. Encore une fois, si vous allez euh, ici sur Elrond Scan, bah, bah oh, vous avez du coup des identifiants qui sont du coup sur les euh, wallets. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens vont tout de suite sur l'Explorer classique, et c'est vrai que tu n'as pas de, de petite icône en PNG qui vient à côté pour dire bah voilà, qu'est-ce que c'est que ça, est-ce est que c'est un smart contract, est-ce que du coup ça va être un, un, un sexe qui va avoir son wallet qui est affiché ici, et du coup sur Elon Scan, tu peux directement avoir les différents pools actions qui possèdent les gros wallets d'accord Après tout n'apparaît pas en permanence parce que vous avez certains sexes qui bah, refont des hautes toilettes un euh, pas à la volée mais assez fréquemment type binance par exemple. Donc tout n'est pas traqué en temps réel. En revanche, la majorité des gros wallets actuellement, on est soit sur du sexe, soit donc c'est EX hein, bien sûr, hein, donc échange centralisé, ou soit directement sur du smart contract. Ça, c'est important. Euh, il y avait aussi un sujet au niveau de la <laughs> au niveau de la euh, comment on appelle ça euh, du marketing et de la communication. Alors, truc important, au niveau de la com chez L'onde, c'est un truc qui revient hyper souvent en mode Elrond, c'est que du marketing, ou là là, ils ont un budget marketing de fou, euh, au final, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui sort, ou tout est bugué. Côté Elrond, il y a toujours un truc qui est transparent depuis le début, c'est que vous avez des channels Telegram sur lesquels ils balancent des annonces. D'accord? Il y a euh, Elrond Network Announcement, donc c'est le, le global, et vous avez Elrond Network Classic. Et après, vous avez les comptes Twitter associés. Bien évidemment, euh, je trouve que c'est une stratégie qui est hyper cool. Merci pour le avoir, <laughs> je vais faire ça. C'est une stratégie qui est hyper cool dans le sens où... On est full transparent avec la communauté. Je peux totalement comprendre que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous ont été un petit peu, je dirais, ébranlés par la rapidité du coup euh, de euh, du changement de stratégie qu'il y a eu, notamment avec euh, le town hall de Benjamin, en attendant, euh, même si le module de gouvernance n'était pas activé, et ça je peux comprendre, et je sais qu'il y a eu beaucoup de frustration là-dessus, mais on est là pour en parler et il n'y a aucun problème pour ça. Et du coup, euh, vous avez donc Benny qui n'hésite pas à vous balancer des messages. Vous avez vu ça sans aucun problème que pendant que ça a merdé, les mecs qui vous mettaient attention, là on a une petite maintenance programmée, on va voir pendant euh, une à deux heures. Normalement, ça devrait revenir à la normale dans la foulée. Après, si les mecs détectent que potentiellement ça peut être plus compliqué, ils n'hésitent pas à vous rebalancer des messages. Et ça, que ce soit Benny, que ce soit Luciane, que ce soit les Lucian ou que ce soit même Sever. Okay Et vous avez même, alors on en parle ou on n'en parle pas, on en parle pas beaucoup, mais. Euh, Benny va vous balancer un peu les, les, les annonces en mode euh, « catch-out », tu vois, attention, euh, voilà, il se passe ça les mecs, je vous tiens informé c'est moi le CEO, si vous avez de la merde à décharger, allez-y, pas de souci je suis vent debout, d'accord ici, vous avez Saber qui apparaît et qui vous fait, mais vla 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 les annonces. Et il répond, en plus, dans vos commentaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui, qui ont des, des, des questions sur donc, le mode de fonctionnement, euh, qui sont mécontents aussi, qui se disent, ouais, mais là, le Dex, en très peu de temps, il euh, y a eu deux fois où il était en maintenance, c'est pas cool, le patati patata, et c'est les premières connexes que oui, bon, ok, ça craint, ok, sur deux fois, mais potentiellement, on aurait pu le laisser comme ça, mais c'est pas du tout au cœur de notre stratégie. Encore, ce que je sur la partie audit, c'est aussi très focus au niveau de la sécurité. À partir du moment où il y a un doute, il n'y a pas de doute. On préfère revoir entièrement du coup le code pour voir que tout est fonctionnel et que ce qu'on a décidé d'implémenter et le changement de logique dans la gouvernance du token n'a pas tout pété à partir du moment où on est safe, on envoie, tu vois. Et moi je préfère largement une équipe qui après avoir sorti un produit en même pas 15 jours, se rendre compte donc du coût d'optimisation qu'ils peuvent appliquer, prennent le temps de l'appliquer avant de commencer à avoir 50 pools à l'intérieur du dex parce que c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Je préfère du coup que tout soit résolu maintenant, j'en ai strictement enfin, c'est mon avis personnel, mais je vous l'explique aussi. J'en ai strictement rien à faire que le dex soit en maintenance maintenant parce que les gars ils vous le disent sur chacun des tweets vous continuez à fcp là pour la plupart même si vous faites pas que du fcp vous faites du denver faites du golum vous faites du, du euh, caraibos <laughs> peu importe quelle soit votre stratégie vous continuez de farmer ok euh, on est hyper early là dedans et vous avez vu avec le changement de direction qui a été pris donc par l'équipe en faisant du -Camex, le euh, le first citizen tu vois euh, du euh, comment dire du euh, du Meyer Exchange eh ben euh, ça vous permet de vous projeter ultra long terme alors oui je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont relevé les vidéos alors j'y vais hein, directement j'enchaîne hein, les gars mais c'est pour imaginer le propos et pas forcément c'est pas une image parce que c'est la réalité on m'a remonté des vidéos de, de crypto farmer qui à un moment disaient euh, ouais euh, le Mayer Exchange c'est magnifique il faisait des vidéos euh, où il mettait en miniature euh, Benny en mode c'était le nouvel homme de sa vie et après il nous trash talker entre guillemets sur Twitter en disant ouais mais j'avais dit que ça allait être de la merde entre guillemets patati patata c’est pas, pas l’approche en fait qui est faite sur le dex, d’accord? Et Crypto d'ailleurs, lui aussi, il le disait, euh, c'est un adepte du pump and dump sur les projets, il ne garde pas les tokens de gouvernance, d'accord Donc, il a cette vision court-termiste aussi sur l'AMM, d'accord Et là, euh, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que ce qu Ronde veut faire avec ce deck, ce n'est pas un AMM de plus. Et ça, les gars, je vous le rabâche depuis au moins 10 semaines. L'équipe, elle vous le dit en plus à chaque live. Ce n'est pas juste un AMM, ça va être une porte d'entrée au même <rire> titre. <rire> je vois Reddin encore un perdant, <laughs> ça me fait rigoler. Mais bon, je, je, je regarde en même temps, mais j'essaie d'être focus pour finir un peu ma et pas me perdre mais au Même titre du coup euh, que euh, n'importe quel trader classique, un mec qui est farmer court-termiste, il va arriver, il va prendre mon sur token au lunch. Bon, bah, il va essayer de, de forcément faire un maximum de plus-value. Il récupère ça en token natif, il swap ça potentiellement en stablecoin et il se barre. Il reviendra dans l'écosystème le jour où une poule intéressante revient. C'est uniquement ça. Tandis que là, la, la vision, c'est une vraie porte d'entrée. Au même titre du coup que euh, Mayar, que vous avez quasiment tous sur votre téléphone pour la DeFi, d'accord. Et ce qu'on va avoir comme type de poule, comme type de projet. Qui vont être sortis soit du Maillard Launchpad, mais pas que, parce que n'oubliez pas qu'il y a d'autres Launchpad qui sont disponibles et qui sont en train de se monter actuellement sur euh, le réseau d'Elrond, et on parle que de ça, mais il y aura d'autres AMM aussi, il y aura énormément de choses. C'est assez ouf, vous vous rendez vraiment, vous vous rendez vraiment compte que. Encore une fois, pour certains d'entre vous, vous avez été hyper early, d'accord, du côté euh, d'Elrond. Euh, pour ceux qui sont vraiment là depuis le début, rappelez-vous, c'est pas du tout un conseil, mais ce sont des faits, d'accord Rappelez-vous quand Elrond est arrivé en vous disant, voilà, essayez de le RD et qu'à un moment donné, on vous a dit, ok mainnet, ok EGLD, division de supply par 1000 rappelez-vous la vague de feu qu'on s'est pris dans la gueule, le nombre de personnes qui ont quitté le navire et qui aujourd'hui sont un petit peu en, en, en PLS, tu vois Donc, il faut vraiment avoir une vision long terme et pas penser court terme. Et dites-vous que là, vous étiez semaine une ici en truc de fou et que vous êtes déjà en train de fermer et vous avez farmé avec les meilleurs APR possibles, d'accord Sur les poules de votre choix. Après, on, on s'en fout des stratégies. Chacun fait ce qu'il veut avec son plan, son argent. Et ça, je vous le dis toujours, il n'y a pas de. Je, enfin, voilà. Est que, que la situation aille bien ou qu'elle aille un peu moins bien ou que je dise de la merde ou pas, moi, j'assume il n'y a pas de problème parce que c'est ma vision des choses. Et je vous le dirai toujours comme je le fais à la face caméra. Alors, pff, voilà. Mais euh, dites-vous que je pense que d'ici N2, max, peut-être plus 3, euh, vous vous rendez compte à quel point cet outil va être un, un centre névralgique de l'écosystème. De Et peut-être même avant ça, les gars, vraiment. Donc voilà, je, je tenais à faire un point là-dessus parce que c'était quand même assez important. Euh, de faire de faire un point là-dessus également aussi sur les harvests alors ça a été beaucoup critiqué en mode mais attends un coup on passe à 5 dollars un coup on passe à 20 dollars un coup on passe à 50 dollars encore une fois, faut se rendre compte d'un truc. Quand on est sur la mise en production d'un projet informatique, il y a un truc qu'on ne peut pas euh, simuler en live sur du testnet ou du devnet. Ça va être la demande d'utilisateur à un instant T. Et du coup, ça va forcément amener des use cases, des, 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 des actions tricky qui n'ont pas spécialement été pensées lors de toutes les phases de test, parce que du coup, il n'y avait pas la volumétrie nécessaire ou peut-être même pas tout simplement les utilisateurs assez avertis pour utiliser ça correctement ou dans une version un petit peu... Mismatch, hein, je dirais, de, de, du Dex, de l'UX et de lui, que du coup, euh, ça a été. Un peu incompris par pas mal de gens, mais euh, il est rare que des projets se lancent sans aucun bug directement. D'autant plus que euh, les projets généralement ils ont le temps de voir venir monter leur charge, mais eux pas spécialement. C'est-à-dire que à partir du moment où le deck était live, mon gars, je n'explique même pas le pic de charge que le truc a dû se prendre dans la gueule. Derrière, euh, c'est pas la BC qui a eu un moment de PLS, <laughs> c'est qu'il y a eu les API qui ont été surchargés Et ça, pour ceux qui sont là depuis encore une fois longtemps et qui ont euh, vécu la sortie de l'application maillard. vous savez. On a eu aussi des API surchargés donc c'est ces petits pics là répétitifs, tu vois, qui marquent. Et pour moi, ça c'est c'est important parce que ça montre un milestone, tu vois. Et là où on voit la grogne du coup, donc euh, des gens, euh, bah moi j'y vois une adoption, tu vois. Je me dis putain c'est fou. Et qu'on en parle en bien ou en mal, quoi qu'il en soit, ce qui va rester pour l'instant, c'est ouais les gens ils ont un peu le seum parce qu'ils ont vu que le lancement pour eux c'est pas ouf. Euh, J'ai vu des propos comme quoi c'était de l'amateurisme. Mais moi j'aimerais bien avoir dans l'écosystème d'autres teams qui se réunissent dans un hôtel en week-end en dehors de leurs heures de travail pour dire les mecs il faut qu'on trouve une solution et que les mecs soient tous là ouais ouais allez on y va et on défonce tout et les mecs ils sont en train de, de, de bosser de fou et ça cette énergie elle est folle dans le sens que elle va du CEO jusqu'au euh, directeur marketing <laughs> tu vois donc c'est vraiment tout le bateau mais qui 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 push super hard tu vois comme ils disent et ça, je trouve ça incroyable. Donc voilà, c'était les points importants et les harvests. Oui, une fois, il y a eu 5 dollars, 20 dollars, un coup 50 dollars. Parce qu'il fallait aussi qu'ils puissent voir euh, qu'est-ce qui potentiellement peut amener à, à remplir des blocs, des blocs de transactions un peu trop vite. Est-ce que les gens euh, font trop de harvests réguliers et Là, on a vu que ça crée une pression euh, baissière forte sur le GLD et aussi sur le MEX. Pourquoi parce que les gens, l'objectif c'était, bah, FCP puisse récupérer du GLD. Hein, concrètement, mais euh, bah, je parle de ça, mais en toute transparence, hein, pas de problème. Et du coup, bah, le fait est que, bah, les gens ils revendaient direct le mex pour choper plus de GLD. Donc oui, forcément, à un moment donné, euh, il fallait retrouver un système qui remettait le token de gouvernance au cœur de la stratégie. Et c'était carrément plus simple de faire ça. Et pour coup, euh, il a fallu l'expérimenter, ça, tu vois. Tu peux faire tous les tests nets que tu veux, tu ne peux pas prédire le comportement humain, tu vois, à partir du moment où le projet est en prod. Donc ça, c'était important pour moi aussi de le souligner. Euh, du coup, il y avait aussi un autre point, et je pense que c'est le dernier qui avait été soulevé, et qui a son importance. Euh... Il y avait aussi euh, la maman, je crois, qui parlait dans le truc avec... Euh, voilà, le fait de sortir la phase 3.5 euh, sur le live qui avait fait baigner à destination, du coup, des validateurs. Il y avait uniquement euh, 20, euh, 35 personnes qui étaient disponibles sur le live. Alors, il faut savoir que c'est 35 personnes qui étaient disponibles à un instant T pour participer à ce live. Ça ne représente pas la totalité, du coup, euh, des euh, validateurs qui étaient là. Et tout le monde avait été invité, mais ils n'étaient pas tous disponibles. Et en fait, c'était plutôt une une formalisation de l'échange de ce qui allait arriver sur la phase 3.5. Mais n'oubliez pas, les validateurs, ils sont là depuis longtemps. Les validateurs, ils connaissent le tokenomic. La phase 3.5, elle est écrite dans le tokenomic depuis avant 2020, les mecs. Et la phase 4, elle est aussi décrite dessus. D'accord Donc, c'est plutôt comment dire, s'accorder pour pouvoir faire les choses euh, de la meilleure des manières possibles, la plus smooth possible. Oh là là, seigneur et ça y est, il est passé. Il a offert un abo, un abo à pas mal de people. 10 abos, merci Raijin, ça fait zizir. Du coup, il faut, il faut vraiment vous rendre compte qu'il ne faut pas euh, euh, prendre les choses et les sortir de leur contexte. D'accord Et c'est un peu ce qui a été fait et ce que, que j'ai un peu reproché à la marmotte, ce qui était dommage, c'est que euh, tout a été vu en mode euh, Ok, mais regardez, c'est ça qu'on parle, parle de décentralisation comme ça, alors qu'au final, il y a uniquement 35 personnes qui prennent la décision pour tout le réseau. Et ce n'était pas le cas. Et en fait, il aurait tout simplement un peu cherché, ne serait-ce que sur l'Explorer, pour voir tous les validateurs qui sont dispo. Parce que. Oubliez pas un truc, euh, la data elle est publique. Ouais, attendez les gars, je, je vais me prendre un petit peu, un petit peu à boire là parce que j'enchaîne, mais je suis chaud. Attendez, on y va. d'alcool dangereux pour la santé, consommez avec modération. Euh, et vous connaissez. Et Raidy, il a encore pété mon but. Merci Raidy. <laughs> C'est très important de se rendre compte à quel point on est early sur tout. Franchement les mecs, que ce soit sur le Dex, que ce soit sur Elrond, euh, je peux vous dire que et le meilleur est à venir, clairement. Au niveau de la décentralisation, je vois beaucoup de commentaires Twitter qui passent aussi en mode euh, « Ouais, mais alors, euh, Tika, euh, comment ça se fait qu'on parle de décentralisation sur euh, Elrond ?» Alors qu'au final, la fondation, elle, tient encore, elle détient encore beaucoup de nœuds. Et ça, c'est un truc où je me dis « Il y a un truc qui va pas. Ouais, non, mais Raijin, tu m'as pété mon bot. » Voilà, tu m'as pété mon bot. <laughs> mais attends, 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 j'arrive. Mais de toute façon, il va s'arrêter à un moment donné, hein, donc euh, je m'inquiète pas. Euh, du coup... La phase 4, c'est quoi Qu'est-ce que c'est concrètement en général La phase 4, c'est le fait que la fondation, elle va euh, commencer à libérer des nœuds, d'accord Pour l'instant, elle détient encore 30% euh, généralement, en, en, en termes globaux, 30% des notes du réseau. Pourquoi Au lancement du projet, il n'y avait pas euh, tous les SP du coup, qui étaient disponibles. Parce que maintenant, c'est cool, tu vas sur MyAir, tu web Wallet, tu choisis un SP et tu mets ça en délégation. Et c'est parti, tu vois. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionnait au début. Au début, tu avais donc les notes de la fondation euh, qui, elles, te permettaient de faire de la délégation. Et il y avait une, un nombre de places limitées dans la délégation. Et il y en a beaucoup qui sont ici aujourd'hui qui n'ont pas connu la frustration de la waiting list. <laughs> parce que tu avais donc ta délégation active où tu pouvais envoyer tes nœuds, euh, tes, tes nœuds, ton collatéral sur la délégation. Et là, si tu décidais de le retirer, tu avais les 10 jours. Ah oui, parce qu'il y avait ça aussi. Piano, sano, mais j'y arrive. Tu avais donc tes 10 jours si tu sortais de la délégation, donc la délégation qui était en bleu. Et tu avais donc la délégation, euh, la waiting list, la liste d'attente de délégation. Quand tu étais dans cette euh, liste d'attente, tu pouvais sortir easy peasy, pas de souci. Par contre, il y avait une différence de taille. <laughs> au départ, quand le réseau a sorti son mainnet, on avait donc euh, 29% de reward à l'année. Je sais, c'est énorme, mais c'était au lunch, les mecs. <laughs> 29% de reward à l'année. Et il me semble que quand tu étais en délégation, en fonction du montant qui était dans la liste de délégation, dans la poule de délégation, euh, tu avais un APR dédié. Et je crois qu'à terme, il y avait tellement de monde déjà qui était en waiting list qu'on était arrivé à choper uniquement du 6 ou du 8% dans la liste d'attente sur la fin. Tellement il y avait du monde qui voulait rentrer. Et après, ils ont ouvert ça au donc, SP, donc ils ont fait une migration du réseau, d'accord euh, Et c'est là où les gens ont pu avoir des nodes, les mettre sur le mainnet. Ils les avaient déjà sur le testnet, mais il fallait qu'ils puissent l'ouvrir sur le mainnet et commencer à ouvrir la, dé la décentralisation. Il ne peut pas y avoir plus de monde euh, comment dire Comment je peux vous dire ça euh, je, on ne peut pas faire un réseau décentralisé si on ne commence pas de façon centralisée, pourquoi parce qu'il faut aussi se dire qu'à la base euh, pour ouvrir la, la délégation et, euh, et avoir un réseau qui puisse euh, être euh, résilient, quelle que soit du coup la position de tes nœuds, quelle que soit en Amérique du Nord, en Asie, en Europe ou en Australie, euh, il, il faut être sûr du coup de la, de la résilience de ton network et pour ça tu es déjà obligé de construire ta solution en mode centralisé, en mode voilà. On va agrandir l'écosystème, on va agrandir le nombre de nodes pour augmenter cette décentralisation. Par contre, il faut que ça tourne de base. À partir du moment où ça tourne, OK, on ouvre un autre slot de nodes et après, donc, les gens, ils le font dans le pays qu'ils veulent et aucun problème là-dessus pour que les réseaux commencent à grandir et gagnent en résilience. Voilà, en puissance et en robustesse. Et surtout en adoption d'utilisateurs parce que plus t'as de nodes actifs, plus t'as de SP et plus t'as de place pour stacker aussi. Ça, ça compte. Donc. Voilà un peu, euh, ce qu'il en était là-dessus. La phase 4, c'est tout simplement le fait que Elrond va libérer des nœuds au profit des SP, donc stacking provider, hein, kukunos, provider FR, euh, Kevin, euh, middle stacking, CryptoBay, bay, euh, wave aussi, euh, JM, et je sais plus si j'en oublie, mais oublie, excusez parce que j'ai 50 trucs à penser en ce moment-là, mais la stacking phase 4, ça va être un vrai shopping de décentralisation, chapitre, pardon, de décentralisation pour Elrond, d'accord? Mais on peut pas arriver tout de suite en disant j'ai un réseau décentralisé, one-shot, ça marche pas réellement. Comme ça, on a des gens qui l'ont fait sur des networks. Je suis pas là pour du trash talk, mais vous savez, je pense de qui je parle et qui se sont vantés d'avoir une décentralisation directe. Et au final, il s'est avéré que ça crachait parce que tu peux pas avoir de décentralisation résiliente si tu n'es pas sûr du coup de l'efficacité de tes VM, euh, des temps de réponse du coup de tes serveurs, quelle que soit leur typologie et compagnie. Ça marche pas. Voilà. Et je termine sur un point, après je regarde un petit peu euh, vos commentaires. Je pense que là j'ai parlé de tout. Résiliation, stacking, euh, résilience, pardon, euh, stacking phase 4, euh, la communication, euh, les gros wallets. Euh, on a parlé aussi de la sécurité et des audits. Et je pense que j'ai couvert les points. Donc je pense que là je peux passer un petit peu sur les questions. Euh, en attendant je regarde mais je pense que je vois que vous avez fait péter mon nombre de notifs aussi sur Twitter donc vous avez bien 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 RT à mort <laughs> c'est fou putain ce giveaway de porc Rosso aussi c'est fou, bon je regarde rapidos vos commentaires et on échange un petit peu le but comme je vous disais voilà, moi je suis pas là du tout pour vous vendre du rêve, je suis là pour parler fait d'accord, on est là pour être factuel et vous dire voilà, ça ça marche, ça ça marche pas, dans ce sens là ouais c'était cool, c'était bien dans ce sens là c'était pas top on aurait pu faire mieux, ok, mais justement en reconnaissant là où ça pêche on met des process en place, on s'améliore et on devient plus résilient. C'est le but. Euh, Ragine, il a rincé trop de monde. C'est un truc de fou. Mini frimousse à boire. Ok, un petit truc, le bot en maintenance. Oui, je m'étais arrêté là. Avec d'alcool dangereux pour la, consom la, la consommation, à consommer avec modération. Je suis plus sûr que ce soit la bonne phrase. Uhum. Alors, chaton36. Changer les règles du jeu en aussi peu de temps n'est quand même pas très cool pour les utilisateurs. Alors. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a eu un vrai manquement de communication, euh, où euh, beaucoup d'utilisateurs du réseau et moi-même ont peut-être vécu ça de façon unilatérale on décide, c'est ce qu'il faut, on y va. Euh, c'est pas cool. Voilà. Je pense qu'il y a des process à faire. On a fait des remontées en sens aussi, pour être totalement honnête avec toi, et transparent, hein, encore une fois, comme je disais, c'est le live de la transparence, donc il n'y a pas de shitty de quand ça va bien, ça va bien, et quand il chie dans la colle, on dit qu'il chie dans la colle. Pas de problème pour ça. Je suis, euh, je suis maxi, mais euh, je suis réaliste. Derrière, en revanche... Euh, le module de gouvernance n'était pas live. Alors, je ne recherche pas des excuses, mais euh, dans la gouvernance d'un AMM, si ton module n'est pas live, tu peux pas soumettre l'idée au vote. D'autant plus sur un sujet aussi critique que ça, qui peut bah, du coup euh, créer un, un, un vrai souci pour le tokenomique que tu as créé sur cet AMM. Donc, je comprends l'urgence de la situation, mais euh, je déplore avec toi le manque de communication et la, la, la viralité, du coup, la violence, tu vois, de l'annonce. Voilà. Zéjigno, euh, la marmotte, a pris, full raccourci, 95% de ses propos. <laughs> je ne sais pas comment tu arrives à rester gentleman. Il ne faut pas, ça, tu vois, le trash talk, franchement, ça ne sert à rien. Et je me dis même si bon c'est un peu biaisé parce que il comme je disais dans mon tweet il y a peut-être un côté drama et tout qui a été amené mais euh, peut-être que derrière ça permet aussi à d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions d'avoir la réponse qui sont genre dans l'écosystème peut-être que c'est juste aussi un mec qui se pose des questions tout simplement après il a peut-être pas la forme des choses mais il se pose aussi des questions et c'est bien d'avoir à euh, sourcer et apporter ces éléments de réponse sans avoir à aller en free fight en mode Ah, oh, mais c'est de la merde tu connais rien à l'écosystème pas du tout dans l'idée et c'est ce que j'ai dit, et je l'ai dit aussi dans ma vidéo c'est un peu dommage, j'avais pris tous ces raccourcis sans avoir à aller taper vraiment le, le, le white paper de Phantom compte parce que la phase 4 elle est décrite tu vois, donc toutes ces histoires de décentralisation pareil pour les trucs de validateur tu te rends bien compte que tout le monde peut pas être live en même temps, sur un fuseau horaire, un horaire défini, enfin, c'est des trucs qui coulent de sens mais voilà, c'était dommage, donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, que je voulais aussi en parler pendant le live, parce que euh, je, je pouvais pas laisser ça comme ça, flex tu vois, à disposition, alors que il n'y a pas énormément de monde, tu vois, qu'on a profité pour pas monter au créneau, mais pour expliquer les faits, tu vois. Donc euh, voilà, je me suis dit, je le fais, tu t'exposes, tu t'exposes pas, je m'en fous, mais en même temps, voilà, Tika, il y va, elle l'on dit défend, ou il dit quand s'ils font de la merde, il n'y a pas de... Tu es là quand ça va bien, et tu es là quand ça va mal aussi, il n'y a pas de problème. <laughs> euh, J'y suis resté diplôme en waiting list. Ah, mais on connaît cette galère C'est clair, fameuse waiting list <laughs> des mois. <laughs> Elle a traumatisé du monde. Hein. Franchement, vous allez avoir des syndromes post-traumatiques, hein, les mecs. Hein. C'est parti. HS Stacking V4, c'est le chapitre où l'on devient complètement décentralisé. Ça va commencer à être vraiment sexy à ce moment-là, je vrai euh, Marco, ou BTC, 35% des mineurs aux États-Unis, euh, et avant 50% en Chine et Ethereum avec ses nœuds et Amazon Web de Service. C'est euh, GLD, 83%. La vraie question. Tika, c'est est-ce que tu as goûté le Zacapa <laughs> Solera 23 Non, même pas. Trade her. Il y a une bonne question que j'ai vu passer dans le channel tantôt. Vas-y. Il y a un membre qui demandait si tu étais payé par la Team Hollande ou si c'est cadeau bonus bénévole. C'est bénévole. C'est euh, denier personnel plus contribution de certaines personnes qui ont voulu apporter leurs pattes au giveaway. Mais euh, moi, je ne suis pas payé par Elonde, hein. euh, je suis Moi, à titre perso, je suis entrepreneur dans la vie de tous les jours. Mais je ne suis pas du tout payé par Hollande. Non, non. Ça, il n'y a pas de. Il Y a pas de ligne. Je suis juste un passionné du projet. taka. Euh, que penses-tu euh, niveau pour le lancement du raid hein Que penses-tu niveau pour le lancement du raid J'ai pas trop compris la, la forme de ta question, euh, mais je pense que le raid se lancera en temps et en heure. Hein. Moi, je me, je me mets directement sur le site et euh, je regarde le countdown qui a pas l'air d'être mis à jour. Euh, théoriquement, on est toujours sur un lancement au 7. Donc, euh, pour moi, il y a rien qui change là-dessus. Et ils ont pas encore communauté pour être problème adaptation quand il y a des milliards en jeu. Ouais, non mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça du coup, il fallait aussi y aller euh Fissa, fissa. Euh, Gérald Lignot, bonsoir à la team, patience, tout va bien se passer. Exactement. Ensuite, tu peux nous parler du hard cap de burn et de l'inflation du mec XTP à ah bah. <laughs> bah Écoute, de toute façon, euh, sur le Dex, est-ce que j'ai encore. Bah non, euh, j'ai pas accès là, mais par contre, j'ai peut-être accès par ici. Est-ce que c'est la partie qui va être euh, disponible C'est la V2. Non, je crois pas que ce soit la V2, celle-ci. Je crois pas que ce soit la V2. Ouais, dans le doute, je ne vais pas l'afficher, je ne crois pas sur la vidéo, mais tu vas avoir un, un mécanisme. Tu vois, c'est comme d'hab, ça, ça ne change pas par contre. C'est que tu vas toujours avoir un, un mécanisme, du coup, d'émission pour la première année. Euh, et là, Benny disait aussi dans son live sur le euh, Town Hall, du coup, euh, qu'il verrait, il réfléchissait à potentiellement réaliser un burn ou pas. Euh, mais après, voilà, on a vu qu'il a rajouté la petite flamme et tout à côté de son pseudo, un half moon aussi. Enfin, voilà. Pas de faux mots, mais avoir. Mais dans, en tout cas, tu vas avoir un mécanisme d'émission, euh, de réduction d'émission qui va être mis en place aussi, et qui est déjà mis en place, parce qu'en ferait à chaque transaction, tu as 0,05% de burn sur euh, ta transac. Et euh, au niveau de l'inflation, tout a été déjà donné, dans le sens où euh, tu as 1,9 milliard en équivalence de dollars qui ont été émis, tu vois, euh, pour euh, le lancement du DEX. Donc après, on va voir, tu vois, comment, comment ça évolue. Euh, je pense qu'il faut encore se donner peut-être. Une petite semaine ou nous deux, histoire de voir comment euh, tout se comporte avec euh, la nouvelle strat du LKMX en euh, First Citizen, tu vois, et puis euh, wait and see. Marco, genre, on aurait voté pour redescendre les AP. <laughs> Je ne recommanderai même pas. <laughs> Homme Zombie, est-ce que les 0,25% de merde qui peuvent-elles impacter en un temps record sur le total supply Je ne pense pas. Laura, salut qu quid des charges qui ne semblaient pas avoir la même vitesse de transaction Il y a un rééquilibrage. Alors. Ce qui a posé petit souci euh, récemment, c'était euh, les euh, adresses qui étaient sur le charte 1. Je sais qu'avant la sortie du dex, et ça je vous l'avais dit aussi dans un live, euh, vous avez des recommandations à aller sur le shard 1. Et je vous disais, c'est cool, mais essayez de ne pas tous y aller en même temps, parce qu'on ne sait jamais. Si on se retrouve trop aussi à être sur le même shard, ça pourrait potentiellement causer des chocs à pic. Pourquoi Parce que la version du dex qu'on a actuellement n'est pas encore d'accord On sait qu'il y a une version qui va sortir, qui le sera, mais celle-ci ne l'est pas encore. Les shards qui ont été les moins importés sont bah, les 0 et le 2. Tu vois mmh.

J'ai le co. La main <laughs> la marmotte, la main morte. Il a voulu trash talk, just mining. Et là, on est juste parce qu'ils se font de l'argent sur le système de marketing. Où mix ça reste des entreprises. Et leur but est de faire de l'argent et augmenter le nombre d'utilisateurs. Il ne faut pas se leurrer, d'ailleurs, m'a dit le clair. <laughs> voilà, bah c'est cool, c'est exactement ça. Euh, Poussette, dans cette phase fragile, le lancement de l'écosystème complet, le projet n'est pas encore prêt pour une décentralisation euh, de la gouvernance de décision. Mm -hmm. S'il faut réunir façon ETH toutes les instances de décision, trop compliqué pour le moment. Exactement, c'est vrai ont hum, Hommes, certains influenceurs pensent que le prix du Mex est surévalué. Comment si tu ticables? Après, hum, t'es un peu sur un t'es sur une création monétaire. Forcément, il y a une grosse demande qui est derrière, mais il y a aussi euh, le côté malin qui fait que t'as une grosse partie du coup des LKMEX qui sont verrouillés. Surévalué, je pense pas. Je pense que c'est surévalué pour quelqu'un qui pense ça en mode court terme. En revanche, si es là pour du long terme, tu te rends compte que, euh, enfin, pour moi, le mec est au bon prix. Euh, forcément, à partir du moment où le deck sera à nouveau disponible, je pense qu'il y en a qui sont déçus des nouvelles, tout ça, machin. J'espère avoir apporté certains éléments de réponse durant ce live, d'ailleurs. Si c'est pas le cas, bah, désolé, je fais au max. Après, on peut pas revenir et convaincre tout le monde. Euh, mais euh, même s'ils vendent un petit peu, je pense pas que ce soit la majorité des gens qui apportent une pression baissière, tu vois, sur le token. Après, euh, ça, on va en parler 15 jours, un mois. Quand toutes les poules vont commencer à arriver et que les gens vont se rendre compte que c'est vraiment une dinguerie et que bientôt le Dex Charles sera dispo, ça fera fermer des bouches et ça fera revenir des gens. On l'a déjà vu, l'histoire se répétera, je sais pas tousser là-dessus. neuf tu penses que le mec peut avoir sa supply Peut voir sa supply être divisée burn à l'avenir, oui. Je pense que des burns pourront être soumis au vote de la communauté hein, via euh, la gouvernance. Ça, c'est un truc qui peut et qui va très certainement arriver, sachant que euh, la team m'a aussi son, son, son apport potentiellement supply, a peu supply qu'elle n'a pas encore fait actuellement. Ah oui, il y avait ça aussi que j'ai vu euh, Sever m'avait apporté les membres de réponse mais je l'avais pas noté oui euh, la marmotte disait euh, ouais mais ouais la trace du coup de l'apport de liquidité euh, de l'équipe elle ronde euh, bah du coup il euh, y en a pas parce que pour l'instant euh, tout l'apport a été fait euh, par euh, la communauté donc euh, l'équipe elle pourra donc euh, burn une partie équivalente au montant de son apport par exemple de l'apport initial tu vois mais euh, pour le moment euh, la team n'a pas fait de dépôt euh, euh, sur son apport de liquidité donc tu ne peux pas la traquer logique hum... Call me Avenger. Tika, tu n'en sais plus sur le snapshot qui devrait avoir lieu demain. Vu que j'ai pas plus de réponses, pour moi, c'est toujours maintenu, sauf euh, des dernières minutes de la team. Euh, du coup, pour le challenge, pas de décalé Non, c'est pas dit ça. Donc, pour moi, pour l'instant, tout euh, reste comme ça. <laughs> euh, Nico, bienvenue, jeune entrepreneur. La question est vite répondue. Ça, ça mérite d'être clair. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre un peu, non, poussette qui répondait à des questions ok euh, shit la marmotte a quand même un discours double slip <laughs> quand il dit que dans le projet pour le marketing il clash le marketing il clash HR et après elle les caresse ouais mais bon c'est la vie tu vois je me il faut aussi des gens qui remettent en question parce que, quoi qu'il en soit, que ce soit bien ou mal, ça, euh, ça permet d'éduquer, d'accord? Ça permet de faire entrer pas mal de personnes et ça permet surtout de répondre à des craintes parce qu'en vrai, ça peut être fondé, tu vois? À partir du moment où il a émis ça dans, dans, dans l'esprit des gens, euh, les gens peuvent se poser des questions et c'est vrai qu'il y a des sujets euh, où tu pouvais potentiellement te poser la question, tu vois? Comme les audits, par exemple, ou des trucs comme ça. Si tu ne sais pas, ça, ça sème un doute, tu vois? Et vu qu'on parle d'argent, on parle pas de choc -à, -pique, à un moment donné, il faut que tu sois en mesure euh, d'aborder des éléments de réponse. C'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec les informations qui m'ont été communiquées directement par Sever. C'est pas moi qui est en train de vous dire voilà il y a ci, il y a ça. J'en connaissais une bonne partie. Je les connaissais pas toutes. Mais moi ça m'a permis de réviser sur certains points. Voilà, full transparence. Hein. C'est ça que j'aime avec la team. Ah Jim, je suis passé en full log depuis la dernière mise à jour des API. Yes, Sanmata, merci pour le follow les gars. Euh, Sanmata, moi c'est plutôt le tweet de Grégory Raymond que je trouve très moyen. Ouais, mais c'est du journalisme. Et après, est-ce qu'il est réellement allé fouiller Non. Tu vois, c'est comme le rapport qu'il avait fait sur Elrond en disant qu'après euh, après le lancement euh, du mainnet, au final t'avais pas de smart contract qui était actif. Bon bah, comment on fait euh, pour euh, déléguer au sein euh, des notes de la délégation sans smart contract actif Je sais pas. Jay moon je viens de faire le petit gapo. Le tirage a été fait Non. Celui-ci, là, je me donne encore 10 petites minutes et on va faire le premier tirage des 10 premiers gagnants. Donc ouais, putain, je rappelle, mais ça, je regarde ça, c'est assez fou. Merci pour la beauté de GUM68. C'est assez fou, les gars. Un hein golden welcome. Putain, donnez-moi de la force à Kulok. Vous avez son profil qui est là, plus un accès à son compte VIP. Allez le follow, donnez-lui de la force, au poteau. Membre très actif de la communauté, ça fait zizir. 80 000 LKMX qui vont être donnés. Le Père Noël est black, les gars, je vous le dis. <laughs> je vous le dis, on vous a menti depuis que vous êtes gamin, on vous a menti. Sensei Protocol, putain, 12 millions de Sensei qui vont partir, les gars, 12 millions, dont, dont, je tiens à préciser, putain, 1 million pour 12 personnes. Donc, ça, on est pour l'instant sur euh, la Binance Smart Chain, format BEP20. Pareil, vous leur donnez de la force, mais, euh, Sensei, on va vous sortir le Tom je pense que vous allez tomber de vos chaises. Un EGLD, parce que Poupou, il me dit que, voilà, on rajoute, il rajoute 0,5 EGLD. Donc, un EGLD pour un gagnant, encore une fois. Et 4000 coates, idem. Allez donner de la force au projet. On arrive, vous avez vu les balises qu'il a là. On bosse là sur Coat et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Avec du coup donc 4 euh, vainqueurs de 1K de token chacun. Et je pense que j'aurais fini, je pense, le, le, le plus gros giveaway de l'écosystème Elrond de l'année. <laughs> je sais pas pourquoi. Je vous avais dit 2000, je ferai une dinguerie, j'ai fait une dinguerie, c'est comme ça. Ça fait plaisir, comme dirait l'autre. Euh, j Mais ça coûte cher les à Choukabik, non, ça coûte pas cher. T'es en train de farmer. Il est pas dispo Oui. Il est en maintenance là, coco lapin. Ok. Même là, toujours. Ok, coco lapin, il est en maintenance. Ah oh non, ok, là, en maintenance, mais tu peux quand même aller sur le testnet, tu peux donner cette petite dopamine à ton cerveau en disant, je vais tester une autre strat et tout sur le testnet, bon, c'est pas les mêmes APR, on est d'accord, euh, ça fait quand même énormément de tokens depuis le temps que ça doit tourner et que les bases de données n'ont pas été mises à jour, oui, c'est en fait, mais donne la dopamine à ton cerveau en allant sur le testnet si vraiment es en manque du DEX. Euh... <laughs> Ludovic Pascal, Sensei Kowat, oui c'est la base. Homme um, um, zombie, merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Uh, for Real, au moins tu as transmis le message sur les mises à jour et questions de bon nombre. Eh bah ben, ça fait plaisir. Il en général de division, c'est son rôle. Il doit prendre les devants et il doit parler à sa commune sans aucun problème. À boire. La vie d'alcool d'enjeu pour la santé à consommer avec modération, les gars. Il nous reste 8 minutes avant le premier tirage au sort de ce giveaway de porc. Alors, hop. Someone, oh là là, Ollivander, grand seigneur, qui, qui rince, rince, alors tu vas me faire bugger toi aussi, je pense mon bot bah, à la raidine, mais merci Ollivander pour les abos. <laughs> Euh, Qu'est-ce qu'on a? Papapap, someone. Mettons Nicolas Dufresne sur ce gel rond pour. <laughs> c'est <curré. rire> Yes. Salut à toi, Dorkisha. Mec, STP, réduit tes giveaways. On est là pour les infos, pas pour gratter des thunes. Non, mais c'est spécial. C'est spécial. C'est un giveaway fin d'année, un giveaway chill, un giveaway. Je redistribue la force. Voilà, c'est pour la commu et ça, on rigole pas avec la commu. <laughs> 22 for 5K, tu fais quoi À 5K, je fais rien. J'ai dit, le prochain giveaway, il sera à 10k. Donc ça, je rince tout le monde, je fais un truc de fou. Parce que là, c'est vraiment, euh, vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Alors, hop, TJ Levender, voilà, il tout fait péter. Voilà, je reçois des à boire, Même Poussette Poussette, toi, tu me forces à la conso. <laughs> Allez, à à cloud dans le jeu pour la santé à consommer avec modération. Hop mmh. Mmh, 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 mmh. Alors, euh, euh, Géraldinho, très honnêtement, je n'ai pas compris la stratégie de déployer le DEX que sur le char 1, les transactions complexes liées au smart contract entraînent des gaz assez importants et ils semblent remplir trop vite les blocs. Ouais, c'est ce qui est arrivé, ils ont bien évidemment réduit les gaz costs, mais ça ne règlement pas vraiment le problème quand il y aura de la charge qui est à la suite, du coup, monter en charge des validateurs sur court terme, multi-charge, bah... T'as plusieurs choses, le multi -shard, et ça ça a été annoncé avant même la sortie du dex. Mec, la lampe elle est en train de me chauffer le crâne, je brille mon gars, je brille tel, comment on appelle ça, une luciole, <laughs> bête à feu comme on dit Mad. comme une luciole. Euh, Dis-toi grosso modo qu'il il euh, y a effectivement euh, une update qui avait été sortie euh, pour réduire donc le euh, le nombre de gaz consommé par un bloc et euh, bientôt tu auras ton dex qui sera multi -shard. en attendant euh, je crois que c'était il y a 24 48 heures tu as eu euh... putain olivander t'es trop généreux t'es trop généreux on est dans le don ce soir allez on en fout on s'en fout on y va et tu vas avoir du coup donc des euh, transact cross chain euh, cross chain cross shard qui vont être disponibles le temps de pouvoir améliorer tout ça. Après, euh, au niveau des pics de charge, tu as vu que euh, la team a mis à jour la méthodologie de harvest. Et en fait, ça va permettre d'utiliser beaucoup moins de gaz, de, de faire appel du coup au smart contract beaucoup moins souvent, tu vois. Et ce qui va permettre de mieux gérer du coup les pics de charge. Le temps, du moins, que le deck soit multi -charge. Donc, dans l'idée, tu vois, il y a des petites strates qui sont mises en place pour pallier justement à ces blocs. Mais encore une fois, tu vois, euh, si t'as pas un truc en production qui bah, se tape, euh, v'là les pics et v'là les utilisations que t'as pas prévues, tu peux pas prévoir ces cas. Bah, l'équipe est réactive et ils sont en train de bosser en Warzone là dans une dans une dans une dans un hôtel. Ajax ah, Feck de faire qu'est-ce que le jeton SK qu'on peut voir sur le testnet Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Euh... Jet live ou Ger live, c'est rouge. Quand c'est rouge, les mecs, je, je, je vois rien. Je suis désolé, mais c'est sur fond noir. C'est chaud, patate. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Moi, je moment. Attends, je regarde l'heure. 5 minutes avant le premier tirage, les mecs. Qu'est-ce que tu en penses de ça Moi, je suis en farm full max et je veux mettre mes LK max dans la poule ride et j'ai aussi environ 150 dollars de GLD. Faut pas dire combien t'as de dollars de GLD, on s'en fout, ça. T'as ce que t'as en GLD. Euh, mais je sais pas trop quoi en faire, je veux pas trop me disperser, mais qu'est-ce que t'en penses de swap direct des GLD vers le raid et sa sortie du raid Voyons je peux pas te dire quoi faire en revanche je peux te donner une je peux te mettre une image mentale d'accord euh, je peux te dire là actuellement le mec que tu as voit une ligne de production et à la fin de cette ligne de production tu as tout un tas de petites pièces qui tombent et qui génèrent un tas tu vois c'est comme les pirates ça, ça te fait un petit tas d'or au fur et à mesure que tu que tu que tu en récupères tu as la possibilité du coup de harvester toutes ces petites pièces de monnaie pour les faire fondre et obtenir un lingot d'or qui est en fait l'image de l'OGLD, que lui, tu vas foutre dans le coffre-fort du coup de la banque, euh, qui va te permettre d'obtenir des rewards quotidiens. Bon, la banque n'est pas aussi généreuse, mais ça, <laughs> qui sommes-nous pour juger nos amis les banquiers Mais <laughs> dans l'idée, il faut vraiment que tu aies cette image-là. Le ride, euh, voilà comme. Euh, 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 comment je pourrais dire ça Voilà comme. C'est pas un livret, mais. C'est un bon du trésor. Voilà, c'est un bon du trésor qui potentiellement peut prendre de la valeur parce que du coup, il est mis par euh, ta banque. <laughs> dans l'idée, c'est un peu pareil. Tu dis que ça reste un projet hyper sexy qui a une grosse hype qui est dans les du temps et euh, qui est aussi dans la vision long terme de l'adoption de blockchain parce que Metaverse, parce que discovery parce que Disney euh, Disney général et tout le bordel et Audi, oh putain, Audi, oh là là. D'ailleurs Poussette, il faut qu'on fasse remonter l'info à Benjamin, mais pourquoi il n'y a que les Roumains qui peuvent aller en concession et acheter des Audi en gel des Moi ça va pas ça. Il faut qu'ils fassent ça avec Audi France, dis-leur de faire un truc, parce qu'il faut qu'on y aille là. <laughs> c'est plus possible. Mais dans l'idée, voilà, dis-toi que le ride, c'est une opportunité, tu en auras d'autres avec pas mal de tokens qui sortiront. Il l'a dit dans le Town Hall, avec euh, pas mal du coup de euh, nouveaux projets qui vont sortir. De nouvelles pôles qui seront mises à disposition. Donc, c'est des opportunités, tu vois, sur lesquelles tu vas pouvoir avoir potentiellement une grosse demande parce que ça sortira de l'écosystème et tu sais l'engouement qu'il y a dans l'écosystème. Derrière, libre à toi d'investir ou pas sur ce type de projet-là. Dika, ça va être le feu. Ouais, je pense. Logique, je ne sais pas, les mecs. On essaie de fournir de contenu. Moi, j'essaie de vous régaler du mieux que je peux. Je ne vous achète pas du tout. Je vous remercie pour la force qui m'a été apportée. Je partage avec vous. Et tu vois, tous les dimanches, on a notre rendez-vous et on chill. Et c'est ça, la base, c'est chiller profiter, éduquer et avancer ensemble. Le but, c'est qu'on soit au top dans l'écosystème bientôt. Gigi Paluzzi, ce bouquin rouge devient plus vert grâce à toi. Euh, c'est cool. Alors, attends. Attendez, 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 attendez. Euh, attendez, 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 attendez. Je crois qu'il se passe des trucs en live. Attendez, 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 attendez. Oula. Oula, oula. Je pense que on a... Ah, j'ai qui m'envoie une petite photo. Euh, la pièce en question sera numérotée. Et ce sera la numéro 172 qui partira. Donc la pièce, euh, Well Golden Coin, sera la 172e. Euh... XP, la prochaine Adica, <laughs> il nous invite à monter <laughs> avec Pascal to the moon. Ah mais là les mecs, ça va être incroyable. Il nous reste une minute avant que je tire les premiers gagnants. Et je vais vous mettre, vous savez quoi, est-ce que je peux là. Alors attendez, je vais juste vous faire ça. Je vais vous montrer la photo et je vais vous la mettre directement hop, en commentaire sur le giveaway parce que quand même, cette Well godine, il faut avouer qu'elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. Bougez pas. Je vous montre ça et je vous la mets sur Twittos. Et comme dirait l'autre, ça part. Alors, bam bam. Non, c'est pas du coco. Euh, tiens, où est-ce que tu m'as mis C'est intéressant ça. Où est-ce que tu m'as mis ce truc Ok, hop je vous demande deux petites secondes, j'enregistre ça, hop, et après, je vous mets la photo directe, et on fait le tirage au sort, et ça part, et on va enchaîner les petits potes, voilà. Donc là, c'est du direct live, hein, les mecs, il hein. n'y a, a pas d'expérience plus live, je pense, dans l'idée, hop, parfait, et si vous actualisez la petite page là, maintenant, vous êtes en mesure de voir la fameuse pièce que vous allez recevoir dans son écran, et... C'est vrai que j'avais oublié, je n'ai pas parlé de ça, mais vous avez un petit tag NFC qui vous permet d'aller consulter directement ces informations. Donc vous posez votre téléphone dessus et boum, vous avez accès aux informations de votre pièce. Elle est prête à partir. Elle est prête à partir. Et c'est 22h40, les mecs. 22h40, ce qui signifie que celui qui va la remporter, donc ce sera le tout premier, hein, du coup, donc le tout premier qui apparaîtra là, dans la liste des gagnants repartira avec ça. Les gars, roulement de tambour roulement de tambour. Désolé, je ne vois pas le chat, je vais faire le petit tirage au sort des familles, là, maintenant, tout de suite. On envoie ça. Donc ça, c'était les trois de tout à l'heure. Ok, ça part. Je vous laisse ça, le temps de rêver un petit peu, de donner de la force à notre couloque national. Hop, et je crée le petit tirage. Mec, j'ai tellement de Tika Santa, là. Il faut pas que je me foie. Alors, on récupère ça. Ah oui, je sais Sensei. Là, je voulais juste chapper. Voilà. Ceci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. OK, on y va. Boum, on récupère le contenu. Alors là, hop, tirage. Et on est sur Twitch. Et je répète, la modalité pour obtenir la pièce, je vérifierai une fois que la personne m'aura contacté, c'est bien évidemment d'être euh, en mode suivi sur Twitch. Pas forcément abonné, hein, pas du tout, mais juste un follow de la chaîne Twitch. Je récupère les participations dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça part, hein, mafia, ça part. Hein. On récupère les participations et les participations sont maintenant closes. Oh wow, bordel, ça part. Elles sont closes. Roulement de tambour, mesdames et messieurs. Gros roulement de tambour. Oulala, là là, oulala, là là. j'en vois déjà qui se plaignait, <laughs> Roulement de tambour. Alors, on fait ça. Euh, on configure le petit truc, un petit coup de paramètre. Je configure le concours. Forcément, t'es taquin, je ne peux pas en faire plus de 10. Donc, le premier, on va, faire, on va faire les autres dans la foulée, vous inquiétez pas. Le premier tirage va avoir lieu. Je récupère vos questions de petites minutes et je fais ce tirage au sort. J'espère que vous êtes prêts J'espère que vous êtes prêts <laughs> Alors, change de valade, diwet Oui, ouais, c'est ça, parfait. Euh, Père Noël n'est pas une ordure. Ouais, non, je pense pas. Mm. Alors, Matt d'habitude il est manqué chez moi, <laughs> mais long story, c'est vraiment un enchaînement d'histoires qui m'a amené à ça. Mais hein, pas de chance. Ah, j'ai pas suivi Matt. Il s'est passé un bail euh, si ah merde, alors les histoires de cid Alors là, je ne vais me pas chercher à comprendre. Tu changes de wallet, tu tapes une ledger ou tu fais un truc, mais la l'acide, c'est à partir du moment où elle est dehors, euh, ça pue. Euh... Géraldine, juste une petite question. Oui, que voit, elle sert à quoi cette jolie pièce Cette jolie pièce, ce pas un simple NFT, c'est un, un. Comment il appelle ça Un NFT digital, mais euh, fi. FIDIGITAL, voilà, c'était ça. Un NFT FIDIGITAL, où tu vas avoir une copie de ce NFT avec une vidéo MP4 sur la blockchain, que tu auras en NFT, et tu auras cette version euh, physique qui arrivera directement chez toi par la poste. Et pour ceux qui ont des doutes, moi-même, je l'avais précommandé. Alors j'ai la petite carte de colloque qui va bien ici, et pas seulement. Regardez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui craignaient patati patata. C'est exactement ce que vous voyez là, hein la petite pièce avec la petite boîte couloque en velours qui va bien. Mec, je te fais une com de malade, mais tu mérites. <laughs> et la petite pièce qui est à l'intérieur avec son petit tag NFC. Donc elle est à côté de mon bureau, les gars, et euh, voilà, ça fait zizir de donner de la force aux, aux membres euh, impliqués dans la commu. Allez, je vais y aller. On envoie, les gars, et c'est parti. Euh, où est-ce qu'il y a cette fenêtre là que je puisse faire le tirage au sort Oui. Euh, ma, 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 ma. Ok, parfait. Euh, procéder au tirage au sort, oui, ça marche. Tirage définitif, oui. Alors, je vérifie juste que je fasse pas de conneries. Pour l'instant, 10 personnes. Bah oh, bah oh, ça part, pas de problème. On y va. 5, 4, 3, 2, Hein, ça part. La première personne qui apparaît, de toute façon, c'est dans l'ordre, hein, les mecs. Hein. Première personne qui apparaît ici, elle chope le Whale Golden. Ok Ça part. Hein. Félicitations. Ah euh, Tom LCHT, Sully, VW, Ulrich, Liviu, Leadbat, Whitehall, Lucas, yu et Matt. Vous êtes les dix premiers gagnants du coup euh, de ce second giveaway. Donc, Tom LCHT. Et, euh, tu me DM, ainsi que tous les autres, n'hésitez hein, pas. Mais je vais prendre le temps, là. Mais il va falloir que j'identifie pas mal de monde. Je me mets dans la sauce, hein, moi aussi, les gars. C'est parti. Et euh, Tom, donc, euh, vu que t'es le premier, donc tu gagnes cette fameuse pièce, Well ouais, Golden Coin. Et on suit, du coup, la trame ici. Donc, du coup, on est à 9-10. Et donc, du coup, le dixième vient de choper son premier million de sensei. L'autre tirage au sort, du coup, ce sera les sensei. Et euh, on en fera encore. Un deuxième pour le GLD et les quatre euh, K de Cowat Token. C'est pas perdu, on n'a pas fini, les mecs, on n'a pas fini. Donc je répète, Tom LCHT, Soli VW, Ulrich you lille Bat, euh, White Wall, Luca Yogui, Matt. Par contre, euh, j'insiste. Moi, le giveaway, il doit dégager. J'ai dit que c'était pour la commu, ça dégage. Donc si la semaine prochaine, j'ai toujours pas de nouvelles alors que je vous ai identifié et compagnie, ça repart en jeu. Ça, c'est dit. Voilà, c'est tout le monde a sa chance. Donc, euh, si ça repart pas, pff, moi le giveaway il doit partir. Donc, les gars, voilà. Si vous voyez votre nom, n'hésitez euh, pas à me balancer un DM. Et de toute façon, euh, après le live ou au plus tard demain matin, parce que vu qu'il y a le after live après, je suis pas sûr de l'horaire de, de fin. Je viendrai euh, vous balancer ça. Et Mister kulok t'enverra ta pièce. Tom Lcht. Conditions non, Follow sur Twitch. Bon, ça. C'est fait, c'est fait. Ok, 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 ok. Vous savez ce qu'on va faire Plus simple. Elle commence à se manifester. C'est très bien. Tous ceux que je vois pas encore, c'est pas grave. C'est que ça va arriver après directement sur euh, sur, 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 sur le, le spam. Mais je vais m'en occuper après. Alors. Et là c'est bon, Bon, ça fait chier ces trucs, ça me, ça me force du coup à faire des, des actions de Trafalgar. Donc je vais setup le prochain. Donc celui-là, je vais le verrai. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut assister au live, parce que il se passe que des trucs de fou pendant les lives. Ça, c'est story of my life. <laughs> Et voilà, fin d'histoire. Alors, hop, je mets à jour le petit poste qui va bien. Ok. Hop. Hop, ça en fait péter. Pourquoi il m'écrit que signe haute tension <laughs> Signe haute tension. Euh, ok, je prends deux petites secondes. Le temps pour moi juste de refaire le petit... Hop. JCC comme ça. Du coup... Hop, on est encore en liste. Pourquoi Donc on avait la Wild Golden qui est partie. Ok. On en a donc les LKMX qui sont partis. On est à 9. On a 1 million qui est parti là. C'est parti. Donc il me reste 11 millions de Sensei à faire partir. Hop, donc c'est 11 gagnants restants plus le reste. Donc là du coup... Euh, pour le coup, ça va être uniquement pour du Sensei, euh, parce que on, je suis limité à 10 personnes par tirage, je balance le poste incessamment sous peu, et vous savez ce qu'il vous reste à faire, l'équipe, on donne de la à Sensei, ils sont identifiés, vous faites un petit follow, de toute façon, je vous ferai un petit brin d'actualité incessamment sous peu, parce que c'est assez fou ce qu'ils sont en train de faire, et je suis très content de les accompagner, et de partager ça avec vous, l'équipe. On a aussi, si je regarde, euh, ouais, je mets à jour la petite Team Kowat Defafa, le temps de mettre ça bien, parce que c'est pas en forme, mais c'est pas sexy, et j'aime pas ça, mais euh, est-ce que je vais pouvoir faire mieux Je suis pas sûr, parce que Twitter est capricieux, c'est pas grave. Donc, là, tirage au sort, Full Sensei, les gars, Full Sensei, on y va, 1 million par personne. Ouais, oh, ils ont utilisé des bids pour les tir. allez, ça marche, on y va. Un bilan en jeu pour la santé à consommer avec modération. Je vais poster ça tout de suite. Je vais l'épingler. Vous me faites comme d'hab juste un like, un RT, ça suffit, à fond. Bon, désolé, c'est un peu dégueulasse, hein. je n'ai pas eu le temps de retravailler ça, j'ai juste fait euh, freestyle là, pour que du coup, je sais qu'il est un peu tard, que tout le monde ait sa chance, tout le monde participe, et du coup, ça devrait être sweet. Mais ce tirage, les gars, c'est incroyable. On est en train de vivre un truc, là Ah oh, putain, c'est tout décalé. <laughs> c'est incroyable, incroyable. C'est insolent même, je dirais. Alors les gars, on y va, on donne de la force à Sensei, boum, on balance, on donne de la force à Kowat, boum, putain, j'ai laissé 0.5 EGLD alors qu'au final c'est 1 EGLD, mais c'est pas grave, ce sera pour le tirage d'après, allez, 11 millions de Sensei, ça va partir, il y en a 10 millions qui partent tout de suite, on garde 5 minutes, à 55, j'arrête les participations, on y va, on bombarde, on bombarde, on bombarde, <laughs> bon je regarde un petit peu directement vos euh... Trailer, je sais pas ce qui est mieux, passer à côté des giveaways ou te rendre compte que malgré une rafale de airdrop, tu gagnes rien. <laughs> Mais il faut juste participer. Regarde, là tu vois, il y en a un nouveau, il y en a encore euh, un autre qui va passer derrière et après on sera bon. Participe et tu, tu, peux, tu peux gagner comme tous ceux qui sont passés avant. Pas de soucis, il faut juste participer et c'est tout. Yes, no trick, tout est sur Twitter. Code euh, Kantiat, le Sensei c'est mieux que le Mex je vais pas te dire entre les deux mon cœur balance, c'est deux technologies différentes, deux blockchains différentes et deux projets totalement différents, mais euh, j'adore les deux pour être totalement transparent avec toi. <laughs> on en voit, on en voit. T'inquiète, il ne me passait à pas avoir la baraque. Ah, ça va arriver, ne inquiétez pas. Et les gars, vous avez vu le nombre de personnes que je fais gagner Ce n'est pas pour dire je fais tout ce bordel-là pour cinq personnes. Alors là, je donne la chance à... Pff, voilà, <laughs> allez-y, il n'y a pas de souci. Euh, le million, mais oui, ça va pâter sans patate. Partager le live du Zika dans les stories et dans les yes I il euh, y a cette miss je t'ai envoyé un dragueau pour te corrompre pour giveaway mais ça a pas marché ah merde mais alors comment ça se fait que ça se met pas à jour avec euh... j'ai pas eu la notif avec euh... merde comment ça s'appelle je n'ai pas eu la notif euh... oh là là Ok Hugo, j'ai eu ton message, c'est bon. Je viens de voir, pas de soucis. Euh, je viens de voir, euh, je viens de voir Mister you mystique Mystic. Bah, merci pour le don. Mais par contre, il faut que je regarde. Ça veut dire que euh, je n'ai pas les notifications qui apparaissent sur euh, sur sur le bot. il euh, bah, Faudrait que je regarde ça. Mais je crois que la dernière fois, ça m'avait fait pareil. Je crois, Oliver il avait fait un don et toi aussi. Et, et je l'ai pas eu. J'ai envoyé un message à Jigme pour qu'on regarde et qu'on setup ça. Mais pour le coup, tu m'as pas corrompu, tu vois. Chacun a sa chance en faisant les actions de base. Euh, je vais les hold plus longtemps que les k si je gagne, tu vas voir. Vers... Ah bah parfait, ça, ça me va. C'est quoi la nouvelle mise à jour Mec, si on les laisse en lock entre guillemets, c'est le 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 LKM ça devient le token ultime et tu pourras farmer des trucs très intéressants avec. Si comme un, un passe droit, c'est le token suprême sur le meilleur Exchange. Vois ça comme ça, c'est plus simple. Trop de notifs, le compte tu... <laughs> Twitter de Sensei. <laughs> Mais les gars, je vous ai dit, il faut donner de la valeur et de la visibilité au bon projet merci pour les follow les mecs vraiment euh, moi c'est des projets je vous dis je suis depuis le début et j'y suis depuis euh, les pre-sales et dans les deux avant même les pre-sales, d'accord parce que je veux pas vous présenter 50 milliards de projets je vais pas vous mentir je suis contacté presque tous les jours pour vla les projets euh, j'ai pas encore le temps de regarder tout ça je dois avoir allez, 300 400 messages en attente j'ai euh, dans les spams du moins et j'ai pas euh, j'ai pas envie de vous présenter 50 milliards de projets par contre les projets que je vous présente, moi je m'investis dedans. C'est pour ça que je me mets un nombre maximum parce que je passe vraiment du temps dedans. Je follow les projets, je vous fais des updates. Et à partir du moment où je, je pense que le projet est mature, que vous avez compris ce que c'était et qu'on peut passer à autre chose, je passerai à autre chose et je vous présenterai d'autres projets dans lesquels je peux me dégager du temps. Tu vois Mais tant que c'est pas le cas, miette. <laughs> voilà. je joue au loto. Ah ouais, al il faut voir, il faut voir, il faut voir. Rappelle-nous comment on fait pour afficher le ride dans Maillard. Vérifie que tu as la dernière update. Euh, ensuite, tu vas dans Actif. Euh, tu actives du coup la tickbox ride et tu es censé pouvoir les voir. Euh, Pablo, comment tu fais un DM bah, Normalement, tu vas sur mon profil et euh, tu me balances un DM. <laughs> voilà. euh, Charmpix, je suis dans tous les projets cités et je suis sûr d'assurer mes vieux jours. Merci, Ticapo. Je t'en prie. Après, on ne sait jamais, attention, je ne dis pas que tout va vous rendre millionnaire, hein, pas du tout, mais euh, les projets à Fonda euh, qui ont un vrai sens et qui peuvent péter fort, bah, voilà. moi je veux vous les présenter, je veux qu'on aille loin les mecs. Um, Sensei Kowatia, yeah, c'est la base, uh, on donne encore une minute les mecs, avant que je fasse le tirage au sort, Eh hey, putain vous êtes chaud, <laughs> vous êtes chaud sur les likes et les RT. Uh, greeting for Romania, oh kids, the greeting from France man, and thank you to be here, this is the, the, the biggest giveaway about the L1 ecosystem, so take a seat, take a drink, and like and RT my last tweet man. Um, c'est des réponses, des réponses. Au Canada, l'application à jour, mais rail n'est pas affiché. Ah, alors euh, bah ouais, bah c'est bizarre parce que tu devrais pouvoir l'avoir normalement. Euh, I have no ID. Si jamais Poupou ça te parle, euh, je sais pas. J'ai pas, par contre, le versionning de la dernière version affichée. Merci pour le follow les mecs. Euh, la poule max max si on la laisse en lock ça fait x12 je peux pas te le confirmer hein, parce que voilà quoi mais euh, ça rapporte plus que le non lock voilà <laughs> par de ce principe là Uh, what's up, J hose Yay! Bah écoute, ça va, my man. Et toi? Bon, les gars, c'est 55. Vous savez ce qu'il reste à faire? Il va sur son petit tweet hier. Yeah. Il copie son petit link, hier. Yeah. Ensuite, il va sur le tirage. Il en a quatre dans la gueule et il va chaler à tous les traités tout à l'heure. Alors, je ne vois plus du coup la page. Hop, on va là. Hop, on va se faire. Un autre petit, petit... Alors, où est-ce que c'est Créer un concours... Euh... Non, c'est tirage rapide. Yes, merci, c'est parti. Donc, là, les mecs, 10 millions de sensei. Putain, insane. Attends, quand je dis ça, je me dis, mec, tu es en train de donner 10 millions, enfin 12 millions au total. Mais là, c'est 10 millions, vu que je ne peux pas mettre plus de 10 personnes. Je vais importer le jeu concours. 55, je récupère les participations dans 5, 4, 3, 2, 1. Je récupère. Sapao, Sapao. Parfait. Je ne vois pas vos messages pour l'instant. Je suis tout seul devant mon écran de récupération de participation à essayer de vous faire un truc euh, sweet. Et le mec, il s'est tapé euh, je ne sais combien de jeux concours, je ne sais combien de giveaways. Et c'est ça la magie de Noël avant l'heure. Hein Black Santa, même, j'ai envie de te dire. Oh yeah. Alors, on est bon et je peux procéder au tirage au sort. Je regarde vos questions deux petites secondes et on fait ce motherfucking tirage au sort. Salut à toi Cozy, euh, j'ai testé le Max x12 cool. Ta-ta-ta, tu veux le Hero Tag Ouais, balance le Hero Tag. En tout cas, pour Sensei, les gars, par contre, il va me falloir des adresses au format B, 20, Passé sur la Binance smart chain. Mais de toute façon, je vais le mettre à côté des Hero euh, des Tag des gens qui auront gagné. Mais je crois que je vais te sortir une liste, mon gars, de personnes ayant gagné qui va être incroyable. Euh... Quand on a gagné, oh ouais, c'est ça. Belle à ça, pao! Exactement. Bon, allez, les mecs, je vous affiche ça. On fait le tirage au sort. Procéder au tirage. Tirage définitif. Oui, monsieur, il y a bien 10 personnes de les sectionner. Yes, I 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Je répète que ces personnes vont devoir être euh, abonnées aussi au Twitter, sinon ça ne va pas fonctionner. Ok. Nous avons donc, nos gagnants et gagnantes potentielles qui sont ici. Donc, Valdor, Gin euh, and Cross91, <laughs> no, my name is Alex. Ok why not? Sylvain, Crypto Warriors, Someone, Son Bonnefoy, Gianni, TMZ et Yoenai. Voilà les mecs, GG à vous. Donc, comme d'hab, un DM, mec, je crois que je, je, je vais avoir maintenant 600 DM. <laughs> c'est pas grave, c'est le risque hein, quand on y va, c'est le risque. Donc là, vous venez tous de vous taper un million de Sensei. GG. J'espère que vous en ferez bon usage et que vous allez holder ça fort, fort, fort. En attendant, ce que je veux pour du Sensei, les gars, n'oubliez pas, c'est des adresses au format BEP20. On est sur la Binance Smart Chain, ce n'est pas encore sur du euh, Ron Network. N'est-ce pas l'équipe Mais bon, il y a un mec qui pousse hein, pour ça, mais c'est pas encore le cas. Mais qui sait, un jour, pourquoi pas Merci pour le follow, my man. Donc, je répète, Val d'Or, jean Cross91, No, My Name is Alex Sylvain, Crypto Warriors, Someone, Son Gianni, &E, TMZZ et Yonai. Les gars, <laughs> c'est parti. Vous inquiétez pas, il reste un dernier tirage au sort à faire. Un dernier. Et là, je, je, je serai au bout de ce que je peux faire. C'est énorme, mais je suis au bout de ce que je peux faire. Ok euh... Donc n'hésitez pas à me DM directement les mecs et je vais traiter ça, très certainement, vu le nombre de trucs à traiter, je vais le faire demain entre midi et deux, tranquille, parce que je vais être sous l'eau, mais je vais tous vous taguer, par contre, à côté je mettrai tous les lots et le type d'adresse qu'il me faudrait, comme ça au moins c'est parti, mais si je vous réponds pas directement ce soir, parce qu'après j'ai encore l'after live, euh, c'est normal, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez demander à tous ceux qui ont participé au tirage au sort, tout le monde a toujours bien tout reçu, bon on est parti, les mecs, ça part. Hein ça part, ça part. On va mettre à jour le tirage au sort et on va faire le dernier. On envoie, hein on envoie. Alors, il va me rester quoi Hop, Encore un million de sensei. Putain, sensei, les mecs, euh, sans déconner, euh, on a rincé du monde ce soir. On a rincé du monde. C'est incroyable, incroyable. J'y crois pas. Je mets juste à jour euh, tout ça et je reviens vers vous dans une seconde. Hop, voilà, ça c'est bon. <laughs> J'adore quand Twitter il comprend pas le copier-coller et qu'il te met directement. Ah tiens, cloche en gras, euh, éclair, éclair. <laughs> c'est parfait. Ah oui, les mecs, il y a un truc que j'ai euh, oublié. Enfin, oublié non. Euh, j'ai Hugo qui m'a balancé un message. Euh, Là, voilà, tout de suite, en me disant, bon, écoute. Euh, on va faire un truc encore plus sexy, et comme je vous le disais, tout le monde participe comme on peut. Hein ça aurait été trop marrant sinon. Oui, ok, à boire, à boire, je vois que vous énervez. Laissez-moi juste finir ça. Il nous reste un million de sensei à donner, un EGLD et initialement 4000 coats. Mais vous savez ce qu'on va faire On va pas passer à 4000, on va passer à 8000 coats. Parce que on est comme ça. Donc on n'est pas sur 4 personnes qui vont gagner, mais 8 personnes supplémentaires. Mec, je, je, moi, je ne sais plus quoi dire. Je pense que là, après ça, je, je, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. <laughs> je vous ai dit, le prochain, il est à 10 000. Là, on est juste à 2 000, les mecs, juste à 2 000. Donc, on fait un fois deux. On n'est plus à 4 000 on passe à 8 000 coates. Donc, un cas pour 8 personnes. Voilà, 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 voilà. C'est comme ça qu'on rince une communauté. C'est comme ça qu'on fait plaisir aux gens. Bon, alors, on passe, on passe, on passe, on passe. Donc, je mets juste à jour le petit poste, les gars. Et après, ben, j'ai envie de vous dire, euh, voilà, vous savez quoi faire. Hein on envoie. Allez, on envoie. Donc, je Pète Un million de sensei. Donc, une personne tape un million. C'est le dernier, on en a distribué 11 déjà. Oh, grand seigneur, grand seigneur. Un EGLD. Merci Poupou pour euh, le x2. Euh, 8000 cohorts. Donc, 8 x 1000 cohorts à se partager. Donc, du coup, là, les mecs, euh, ça me va. Je suis sur un tirage à 10. C'est parfait. Je partage ça très rapidement. Je vous demande une petite seconde, le temps de terminer tout ça. Et je pense que là, on, on aura cassé Twitter pour ce soir. Hein. C'est, pas mal. Je pense que là, hein, c'est une belle petite soirée animée. Manque plus. Euh, ça aurait été plus sympa, tu vois. Ça aurait été fait depuis la Caraïbe. Mais bon. Il fait encore froid, machin, tout ça, je sais que vous étiez un petit peu en PLS avec les annonces, je vous ai répondu comme j'ai pu, avec toute la franchise possible, je vous rince comme j'ai prévu, j'ai dit 2000, je fais un truc de fou, on avait prévu 2500 et maintenant vous pétez et on est à plus de 2700, et bien on vous rince, grand seigneur, comme dit Galotte, grand seigneur. Alors, les gars, par contre, c'est le dernier. C'est vraiment le dernier. Après, je n'ai plus rien, je suis à poil. Je suis à poil. <laughs> Mais sur ces derniers giveaways, je répète, condition sine qua non. Bon, après, like, RT, capo, vous savez, c'est la base. Mais le follow sur Twitch, obligatoire. Si je vous contacte et il n'y a pas le follow sur Twitch, je ne parle pas d'abonnement. Je parle d'un follow. Euh, je donne le don à quelqu'un d'autre, le, le giveaway à quelqu'un d'autre. Si au bout d'une semaine, après que je vous ai identifié, je n'ai pas été contacté, euh, le giveaway sera tiré au sort pour quelqu'un d'autre lors du prochain TikaPo part en live. Ça, c'est la base. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. C'est parti. Alors, euh, ce qu'on va faire, je vais vous balancer ça dans 5, 4, 3. Attends, fais pas de conneries, Tika. Vérifie. Parce qu'ils te font des abords à bord depuis tout à l'heure. Ça se trouve, que tu vas écrire de la merde. Vérifie. Nanana, Sensei, un SGLD. Et oui, OK. 5, 4, 3, 2, 1. On balance ça. OK. Hop. On met ça. Alors, c'est le tweet épinglé. Je, le, je les épingle à chaque fois. Je sais que ça fait beaucoup, mais écoutez, les gars, on, on fait comme on peut. Hein. Donc, tweet épinglé. Normalement, si je vérifie ça, pao! Ça part, voilà, ça part, c'est celui-là. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont chauds voilà, ça, fait, ça, fait, ça fait 20 secondes, les mecs, ils sont, ils sont déjà chauds. C'est le dernier. Après, je suis à poil, les mecs. J'ai fait le max du max. Je suis à poil. Mais encore merci à tous ceux qui ont participé pour contribuer. Euh, GG, à ceux qui ont gagné. Entre, ouais, donc très certainement demain, je prendrai le temps de tous identifier avec les lots. Et euh, bah, du coup, à euh, me DM, et le type d'adresse à m'envoyer. Et puis, bah, ça, va, ça va partir fort. Hein ça va partir. Très Très fort hein. en tout cas j'espère que vous avez eu un, un, un petit capot par un live d'anthologie euh, pour le 29e ça aurait pu être le 30e mais c'est assez cool et voilà donc je regarde un petit peu vos euh, messages gg au gagnant c'est cool papa vous êtes fou et ouais 8000 kW on est comme ça <laughs> Force pour l'envoi des récompenses. Merci, je vais en chier. <laughs> euh, énorme, même si je gagnerais encore rien. Tu sais pas, regarde. Like RT, tu sais pas. Autant ça peut péter là tout de suite. Bah ça calme ambiance cette communauté. Ouais, on essaye, on essaye. Alors attention, hein, si tu viens d'arriver, c'est pas tous les jours des giveaways. <laughs> là, c'est spécifique. Hein. Normalement, un Tika Pop part en live, c'est tout le monde se prend. Enfin, tout le monde. Il y a toujours un tirage au sort à la fin du Tika pour se prendre 10 EGLD. OGL, 10 ah là, ça y est, tu pars en couille. 10 NFT. <laughs> <laughs> Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si je l'ai dit. Bon. DNFT euh, pour des membres de la commune. Mais là, on fait les 2000 abonnés, si ce n'est plus, et vu que ça allait au-delà des espérances, on envoie le feu pour tout le monde. Le millier, ça part. Ok, c'est pas outil. Hum, hum. Oui, c'est reçu, il fallait que je l'affiche, mais l'option s'est affichée. Parfait! Et c'est qui, on croise les droits. C'est parti, c'est quoi le ride? Ne vrai, je débute. Je t'invite à aller sur le MyR lunchpad pour avoir les informations là-dessus. Euh, on peut mettre du Sensei sur MetaMask, tout à fait. Si tu vas du coup donc, sur Protocol Sensei, oh oui, Sensei. Hop, tu vas sur le lien dans la bio, tu arrives donc du coup sur le website ou comme tu veux. Euh, parfait, hop. Et tu as donc l'adresse du euh, contrat qui est ici que tu peux copier et euh, aller dans MetaMask, ajouter un jeton et tu vas pouvoir ajouter du Sensei sur MetaMask. Encore une fois, les gars, Sensei BEP20 euh, binance smart chain. Euh... <laughs> j'étais gagnant, j'étais à poil avant le live, je le suis toujours. Attends, attends, encore une fois, on ne sait pas, on sait pas. Autant là, tu fais un petit like et un petit euh, RT et, et tu repars avec quelque chose, hein, Artium. On ne sait pas. <laughs> « C'est giveaway NFT tous les lives, t'as promis. Ouais, ça, ça, ça j'ai tiens, ça, je vais pas arrêter, c'est comme ça. Parfait, à vos tweets, c'est cool, je mets jamais rien et j'ai gagné aujourd'hui, il y a toujours un espoir. Parfait J'ai live, ma j'ai, hop, les gars, oh. <laughs> enfoiré, oh là là, les mecs, ils viennent, ils font des jokes comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible, euh, disent EGLD, on fait, non, 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 non. on oublie cette information, c'est uniquement dit NFT. Je sais que j'ai dit dit EGLD. Je sais que vous avez certainement clippé ça, mais non, dit NFT les mecs. Voilà. <laughs> Parfait. Allez, un petit à boire. habit d'alcool dangereux pour la santé. C'est 23h06 déjà les gars. Putain, le live le plus long, je crois. On est à combien là on est... Putain, on est à 2h03, les mecs. Oh, incroyable. Mais bon, voilà, on a fait les giveaways. On a parlé de ce qui allait, de ce qui allait pas. Je pense que là on est on est on est au max du max. Je je, je peux pas faire plus du coup pour la communauté du coup. En euh, contact sur Twitter si on a gagné tout à fait. Tu me balances un DM. 100% des gagnants ont participé. Tout à fait. 100% des perdants aussi. <laughs> oui mais voilà c'est. Regarde il reste une dernière opportunité là trader. Ni que sont deux ampoules qui vivent dans le même logement des coates <laughs> Il est con celui-là. À boire oh là 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 là. Si j'ai gagné Monde peut gagner, je gagne jamais rien. Ah, oh, t'es un dieu, oh, faut pas forcer. Non, j'ai dit, c'est récompense à la commu. Voilà, on chill, c'est décembre, on balance, et puis voilà, vous me balancez de la force, je vous en envoie aussi. Et puis euh, voilà, on fait ce qu'on peut. On chill, on hold, on évolue ensemble, et on développe un écosystème de taré avec une communauté de fous furieux. Donc c'est ce que je veux. On. on, on... En tout cas, je vais courir un marathon en t'écoutant. <laughs> ouais, je pense. Hein. Je pense. Là, franchement, deux heures, mon gars, c'est incroyable. On n'est jamais allé aussi loin. Et euh, là, on a fait vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. C'est dur, un petit cas. Ah non, Momo Je répète, merde, euh, du coup, elle est passée où Ah, elle est là. Bon, elle est plus fraîche là maintenant depuis deux heures, mais c'est un punch cacahuète, voilà, qui vient de Mada, de Martinique, et euh, qui passe très très bien. Alors c'est doux, tu vois, c'est une petite liqueur, mais euh, c'est la liqueur douce qui arrive après et qui te, tu vois, va dormir. Donc c'est tranquille. Je voulais pas taper le ROM parce que je savais que ça allait être long et le ROM là est, est trop chargé. <laughs> um... Il reste encore deux minutes, les gars. Euh, Qu'est-ce qu'on a On croise les doigts, je t'en prie, finger cross. Euh, la SMP, je veux une super Nintendo. Euh, malheureusement, je ne fais pas le vidéo game ici, mais pourquoi pas Peut-être dans un tirage. <laughs> yes, Monsieur D, il balance le lien du Discord. Rejoignez la petite Army. Vous verrez, il y a des lieutenants qui sont au top du top, qui répondent à vos questions. Des généraux de brigade qui sont là, qui répondent aussi à vos questions. Je passe. Alors, j'avoue, un peu moins souvent parce que j'ai plein de trucs à voir. Vous imaginez avec Sensei, avec Kohatt, avec la, 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 les boîtes à côté, c'est compliqué. Mais voilà, je passe et par moment, je passe faire un petit coucou aussi, sans aucun problème. Tirage a eu lieu à Belo? Non. Et je sais, et toi, et toi en plus, je sais <laughs> ce que tu vas me dire. Va me liker et RT ça, il te reste une minute et après c'est mort. Après, je suis à poil, hein. j'ai plus rien. Jéhovah, euh, bravo pour ce live giveaway. Pour les deux, <laughs> en tout cas, grand seigneur, pas de souci, Ça fait deux heures qu'on est sur des giveaways. Giveaway, attention, on a aussi parlé de euh, ce que j'avais promis concernant les GLD/slash euh, réponse marmotte. Hein. On est vraiment comme ça. À la foot, tu as changé de stratégies de farm depuis le nouveau tokenomique Ouais, ouais, full, euh, full max, personnellement. FCP Max, Abelode Je parie que j'ai pas gagné. <laughs> non, t'es pas tombé pour l'instant, euh... Abelode Je crois pas avoir vu. Je crois pas avoir vu. Mais pour l'instant, fais-moi ça là. C'est le dernier. Après, je plus rien. Like, RT. Moins d'une minute. Euh, de si je ne gagne pas, ce n'est pas important. On est déjà super gagnant. N7 de dedans. Ouais, le maire mais carrément. On t'a déjà demandé tes prévisions sur le prix d'HoloRide Ouais, on me l'a demandé, mais voilà, c'est compliqué. J'arrive pas à. J'ai mis deux points d'interrogation sur mon plan. Voilà, si je te donne un prix comme ça, c'est vraiment. Euh, pff, pure spéculation. De toute façon, ça aurait été de la spéculation. Mais euh, j'ai du mal à, à, à définir un, un target de price parce que euh, c'est quand même. Euh, comment dire C'est. Il y a trop de hype, trop de demandes autour. Donc j'ai du mal à évaluer. Euh, mm, mm, la poule mex ne va pas rester à 10 000%. Je pense, pas, euh, je pense pas. Je pense pas. Poupou, tu peux confirmer ça euh, Comment la poule mex va. À quelle APR elle va être Mais je suis pas sûr que ce soit 10 000. Je sais qu'il avait parlé d'un petit boost, mais 10 000, je suis pas sûr. Euh, merci pour ta dispo' Je t'en prie, Sansky, pas de souci. Ezekiel, il a offert un abo. GG, gros seigneur aussi. Ouh. Allez, c'est 10 les mecs. On balance, on balance, on balance, on balance. On balance. Alors pour les retardataires, faut y aller, putain, vous êtes chaud les gars. Il y a 157 RT en très peu de temps là. En... Je ne sais pas combien de temps il est... depuis combien de temps il est up, mais on va voir ça. Alors ici, c'est Good. Putain, il faut que je me fasse encore une liste. Les gars, je vais avoir des listes de listes des gagnants. Ça va être incroyable, je vais en chier pour traiter ça, mais quelle idée Quelle idée Mais qui fait des giveaways comme ça non Mais très honnêtement. Qui fait ça Personne Ah putain, une fois sur deux, cet enfoiré ne me prend pas le lien, bordel. Prends-le ce lien, voilà. Oui, le clavier est un peu loin, j'ai la femme de faire un CTRL-C, CTRL V, patroche toi, c'est bon, oh là là. Alors. Euh, give Twitch et je répète, ouais, hein, euh, follow Twitch obligatoire, sinon ça part chez quelqu'un d'autre. Ça, je suis, euh, je suis intransigeant sur ça. 5, 4, 3, 2, 1, je récupère les participations. Ça ne sert plus à rien de participer. Ah, les gars, dernier giveaway, dernier, dernier giveaway. La des DDR, comme dirait l'autre, je paramètre. On est donc sur les dix dernières personnes. Hein. Je regarde quand même parce que voilà, je, vous, je vous connais. Donc, j'ai une personne ici, une ici et huit là. On est bon. Et toi, tu m'as fait galérer, mon gars. Si j'aurais pu setup directement le nombre de personnes que je voulais, euh, voilà, il n'y aurait pas eu de, de problématique. Bon, propre. Je regarde vos commentaires de petites secondes et on va finir le dernier tirage au sort, l'équipe. Ça a été, ça a été un, un live de fou furieux. Franchement, j'espère que vous avez kiffé, que vous êtes régalé. C'est fou. Comment on fait pour avoir une adresse BEP 20 Il faut que tu mettes ta masque et que tu le set up sur le réseau de la Binance Smart Chain et sur Binance, tu as la Binance Academy qui te montre comment faire UNX. Sinon, n'hésite pas à rejoindre le Twitter de, oui, Twitter ou le Telegram même de Sensei et on te filera des infos pour savoir comment faire. Putain, je reviens plus tard. Et toujours dit Giveaway stop, c'est le dernier. C'est le dernier, après, je suis à poil. Après, je peux plus. Je peux plus. C'est <coughs> toujours 7 décembre qu'on pourra ajouter des raids. Normalement, oui. Mais j'ai pas eu de... Poupou, si tu peux confirmer. Mais j'ai pas eu de... j'ai pas eu de, de mise à jour là-dessus. Donc, pour moi, tant qu'il n'y a pas de mise à jour, c'est oui, quoi. Et puis, Holoride, tu vois, on a toujours le, le countdown qui est, qui est bon. Donc, là-dessus, pas de souci à mon sens, quoi. Ça me paraît pas trop mal. On traite les petits trucs en live. Hop. <laughs> Alors, on y va. On regarde ça. Poupou, il sait pas. Ok, ça marche. réaction sera de nouveau live dans combien de temps, tu penses euh, Là, il parlait de demain, apparemment. Donc euh, voilà, t'as les infos aussi sur le Telegram Elrond euh, de France officiel et puis sur les anglais aussi. Mais euh, voilà, généralement, tu regardes les messages épinglés. Euh, on est toujours sur du demain théoriquement. Ah, euh, papa, 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 -pa. bon, bah, c'est cool, à peu près, je regarde un peu, je croise les doigts, aucune idée, faut attendre la sortie. Ok, c'est parti, les gars, je procède au tirage au sort. Hop, c'est parti, ça, pao. 5, 4, 3, 2, 1, on y va, ça, pao. Ouh là là, 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 ok. <laughs> Are you ready, guys? Donc, nous sommes sur les derniers tirages et voici nos gagnants. Tiens, je vais te mettre ici frère. Boum, voilà. Donc nous avons TJ Olivender, nous avons Cindy Duan. OK, nous avons Yuan, nous avons Ulrich, nous avons John, nous avons Ranger Frédéric, nous avons Breaking TH, nous avons Julia, et nous avons Matt qui a gagné. je <laughs> <laughs> j'ai pas gagné, il n'y a pas de suspense. Bah, peut-être au prochain ticket part en live, tu vois, encore une fois tout le monde participe, tout le monde a sa chance. Après, on fait comme on peut. Mais GG à vous, les gars. TJ Ollivander, Cynique euh, Wagne, Johan euh, Ulrich, John, Ranger, Frédéric, Briquet, Athéa, Julien et Matt. Les gars, euh, <laughs> comme il passe ça, vous me tuez, vous me tuez. Mais non, il faut tester, il faut tester, comme d'habitude, il faut hésiter. <laughs> le t-shirt, oui, t-shirt AWS, voilà, des, quand t'es geek, des fois, t'as des guides, t'as des guides. Ça y est, le mec, il, il fait des défauts. <laughs> t'as des gifts qui sont cool. Euh, donc là, c'était le dernier tirage au sort. Donc, un million de Sensei, euh, 8K de Coat Token, et un EGLD, bien sûr, le tout dans l'ordre comme ça. Euh, donc, comme c'était présenté ici. Euh, voilà, j'ai fait au mieux pour vous apporter énormément d'éléments de réponse, pour vous faire chiller, passer un bon dimanche soir, un gros giveaway de, 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 de fou furieux. J'espère vraiment que vous avez kiffé ça. Euh, on se retrouve pour un euh, petit afterlife. Euh, je vous cache pas, parce que 2h15 2h là, maintenant, je suis je suis éclaté là, enfin fatigué surtout. Euh, mais on peut se faire un petit 20 minutes tranquille où on discute un petit peu de tout ça. Euh, comme ça, au moins, on peut, euh, on, peut, euh, on peut échanger sur le sujet. Mais félicitations aux derniers gagnants. Pour tous ceux qui ont gagné, alors je ferai des tweets. Alors ça va être des pavés, hein, désolé. Mais je vais faire des tweets avec du coup les récompenses. Euh, aussi, donc pour ceux qui ont gagné du Sensei, il faudra bien évidemment balancer une adresse BEP20, donc Binance Smart Chain. J'insiste, c'est le seul qui n'est pas dans l'écosystème. Pour le moment, hein qui sait, je sais pas, on va peut-être forcer un peu en tant qu'advisor, on verra, n'est-ce pas, la team, je sais que vous regardez, <laughs> et euh, du coup, bah, on verra un peu, euh, un peu ce qu'on est en mesure de faire. En tout cas, ça a été un plaisir de réaliser ça avec vous, euh, partager tout ça, vous apporter des éléments de réponse, encore une fois, échanger avec vous en direct sur ces sujets-là. Euh, moi, je pense que euh, bah, dimanche prochain, ça va être tranquille, encore une fois, pour ceux qui ne se seront pas manifestés pendant la semaine. Les euh, montants du giveaway seront automatiquement remis en jeu. Donc euh, voilà, ceux qui n'ont pas gagné là, si d'ici si, euh, une semaine j'ai pas de news, bah, vous aurez peut-être à nouveau une chance d'ici euh, la semaine prochaine. Donc voilà. En tout cas voilà. 9ème petit capot part en live. J'espère vous avoir fait chiller. J'espère que vous avez kiffé. GG aux gagnants. Ceux qui n'ont pas gagné, c'est pas grave. C'est pour la prochaine. Re soyez là au prochain live. Et puis, bah, du coup, ça devrait passer de ouf. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, malheureusement, vous bah vous pourrez pas participer. Mais j'espère que vous serez en mesure de venir sur Twitch juste à follow et participer au live là aussi. C'était Tika. 29e petit capot par en live. Je vous souhaite une excellente semaine. Euh, J'espère qu'on aura aussi d'excellentes nouvelles du côté de notre protocole favori. Euh, et puis, bah écoutez, j'essaierai toujours de continuer à vous fournir de l'info de qualité. Les gars, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, l'équipe.